Décortiquer les deux parties au piano, puis on va commenter en très très grand détail l'orchestration. Merci beaucoup. Okay. Les travaux d'aujourd'hui, je donne pas de notes, parce que le premier cours, je vous habitue. À partir de la semaine prochaine, je commence les élèves à lire officiellement. Okay. Là, c'est juste pour vous. Je passe à la glace, s'il vous plaît. Ok, donc, je vais vous expliquer petit à petit ce qu'il faut. Il y a deux, trois aspects. Comme j'ai dit l'autre semaine, il faut d'abord décider le caractère, l'articulation et tout ça que vous voulez. Ensuite, il y a les choix par rapport aux instruments, etc. Et par rapport au changement en cours de votre orchestration. Et ensuite de ça, il y a la présentation, pas juste graphique, mais dans le sens, est-ce que ce que vous avez écrit va communiquer bien à l'interprète ce que vous voulez. Vous comprenez? Parce que parfois, pour faire saler comme vous voulez, il faut savoir comment l'écrire. Et ce qu'il faut écrire, mettons, pour une clarinette, ce n'est pas la même chose que pour un violon. Okay? Les liaisons ne sont pas les mêmes si on ne calcule pas tout ça de la même façon. Il y a tout un paquet d'informations. Donc, on commence avec intention, réalisation et communication. Okay? Comme les trois étapes. Okay? La première chose, dans le premier ici, là, c'est celui dont la mélodie est donnée à une trompette. Okay? Et accompagné par toute la masse de cordes à part les contrebasses. Okay? Donc la trompette ici. La trompette joue la mélodie double forte. Dans la ligne de la trompette, il n'y a aucune articulation. Les notes sont écrites et double forte, that's it. Okay? Chez les cordes, vous juste dites ce qu'il y a, puis après ça on en discute. Okay? Chez les cordes, vous avez chez les violons. Sur les trois premières notes, les trois tirés en ligne, suivis d'un autre tiré de la corde, puis avec des tirés, un accent et un point. Okay? Je vais revenir à ça, okay? Le sens de tout ça. Okay? Ça, on parle de double corde ou diviser ça? Double corde. Okay? Okay. Et ensuite, ici, là, il n'y a rien sur ici, puis là, c'est pitch. Pour les autres deux notes après. Okay. Le deuxième violon fait la même chose, okay. Note par note, sauf qu'il est rendu ici, le deuxième violon est en octave. Okay, ça fait à l'octave du premier. Okay. L'alto fait la même chose, à l'octave bref, sauf que c'est une autre double corde, une corde au fond. Okay, ça, ensuite, puis ensuite, à une troisième octave en bas de violon 1. Violon 2, ok. Violoncelle double, la tombe des bleus. Et ensuite, 4 octaves. Ok. La même chose que les autres violons. Ok. On va parler de celui-ci. Ok. Il y a beaucoup de choses à dire. Première chose, c'est pas le caractère que tu glisses. C'est triomphal. Ok, ok. Bon, alors si c'est pour être triomphal comme ça, ok. Donc la trompette, effectivement, pourrait s'avérer un bon choix, parce que entre autres, les tuyaux, ils peuvent avoir cet aspect militaire triomphal, surtout quand ils sont forts. Okay? Donc pour ça, la trompette, effectivement, okay, ça serait un choix raisonnable. Ok, ça c'est bon. Tout le monde comprend ça. Ok. Maintenant. Même avec une trompette, c'est sûr que ça va dépendre de comment elle est jouée. Si la trompette est jouée, mettons, très liée, est-ce que pa 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 ta la da la da, ou est-ce que fait pa 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 pa, lequel est plus dans l'esprit? Ok, donc, il faut démarquer quoi? Okay? N'écrivez jamais, jamais, jamais rien pour l'orchestre sans donner des indications aux instrumentistes.
si vous aviez été à la répétition d'orchestre la semaine dernière où il faisait la lecture des œuvres d'étudiants, ok? C'était comme 2h30 de lecture des œuvres de pas juste mes étudiants, des étudiants de plusieurs professeurs, ok? La principale critique que faisaient les chefs d'orchestre, c'est que les étudiants ne mettaient pas d'indication. Qu'est-ce qui arrive si vous ne mettez pas d'indication? L'orchestre va jouer moyen et où le chef va dire, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, oh, ben je veux s'accentuer. OK. Trompette 1 et 2, c'est plus accentué. Ensuite, qu'est-ce que vous dites? Fait que là, vous perdez 15 minutes à expliquer deux phrases, OK? Ce qui a dû être fait déjà dans la notation. OK? Donc, aussitôt, vous écrivez une ligne, il n'y a pas une note qui devra avoir ses indications, des articulations, tout ce qu'il faut, OK? Parce que moi, quand je vois la ligne de la trompette qui est absolument, c'est juste marqué double forte, ça, ça peut faire pa, 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 ça fait pa, ram, pam, pa, ra, pa, ça fait bien des choses comme ça, OK? Si je veux ça comme vraiment note par note, il faut que je marque, tu sais, les accents et les points sur chaque note, pa, 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 OK? Ça, c'est une façon. Si je veux s'allier, parfois, tiram, pam, para, para, pam. Peu importe, mais il faut spécifier. Okay? Puis n'oubliez pas, articulation, c'est un rythme. C'est du caractère, l'articulation. Hein? C'est un monde de différence entre. C'est loin d'être la réponse. La question, c'est trompette jouée comment? Quelle articulation? Quelle nuance? Quel tempo? Mais quand c'est tout détaché, on a besoin pareil de signifier. Qu'est-ce que tu veux dire par détaché? Comme lui, peut-être que c'est tout ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais ça, ça ne pas ça, là. OK. Et tu parles de détaché dans le sens. Toutes les lettres. Séparé. Parce que le mot détaché pour les corps n'a pas le sens de toujours séparer. Ça, c'est une distinction. Tout le monde est au courant de ça. Okay. Le coup d'archet qui est appelé détaché chez les cordes n'est pas la même chose que staccato. Non, mais je ne disais pas staccato, mais juste séparer chaque note avec notre okay, il faut l'indiquer à ce moment-là. OK. Hein? Comment pas? Là, tu parles pour les cordes et pour aujourd'hui, pour la trompette. OK. OK. Là, il y a différents degrés et c'est bon de les spécifier. Regardez. Si, évidemment, quand je fais ça, okay, j'ai un instrument avant, trompette ou autre, l'implication que les notes ne sont pas séparées, articulées par la langue. Au lieu de faire ta, 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 c'est ta, ra, ra, la ta au début, puis le reste, c'est avec les doigts ou les lèvres, ou les deux, dépendamment, tu sais, que ça va se faire. Okay? Déjà, les notes vont couler quand tu es en français. Si tu veux que ça soit extrêmement séparé, l'extrême. L'autre extrême, c'est ça. Ça, c'est comme staccatissimo. Ta, 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 ta. Okay? Le mot joue la plus courte possible. Okay? Puis entre les deux, tu as beaucoup de nuances. Okay? Tu as le simple staccato. Okay? Tu as le staccato plus tiré. Plus le tiré. Tu as tout ça. Donc, ta, 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 ta. Okay? Tu as toutes ces nuances entre les deux. Tu as besoin de minimum de 4-5 indications comme ça pour indiquer ce que vous voulez. Si vous avez, si vous avez un long passage, OK, et c'est tout pareil, à la rigueur, et mettons, à l'ordinateur, c'est trivial de faire ça, mais si vous voulez le faire, OK, puis vous êtes pressé, vous faites la mitaine, là, vous pouvez, après 3-4 notes, si le passage est absolument similaire, tout le marqué similé. On va se continuer dans le même sens, OK? Il faut au moins, au début, donner quelque chose de clair. Oui, la question. C'est plus une question philosophique, mais moi, je trouve que c'est étonnant qu'aujourd'hui, on soit obligé d'écrire comme ça à cause de la pratique commune qui font que les instrumentistes ne sont pas habitués à trouver d'eux-mêmes ce qui devrait aller. Ah, d'accord. C'est le personnage lié au temps de Mozart, ils avaient peut-être moins d'indications, ils en marquaient moins, il y en a moins dans les partitions, il y a des gens qui font un gros travail pour la chercher, mais jusqu'à un certain point, aujourd'hui, si moi, je trouve qu'on devrait être capable, au moins dans un certain style de musique, de donner une cheat avec très peu de choses,
les gens, connaissant le style dans lequel ils jouent, et c'est là le problème, parce qu'après c'est beaucoup de styles abordés, soient capables de jouer ça même sans articulation. Parce qu'en tant qu'instrumentiste, on est capable d'avoir aussi un certain goût, et de sentir les phrases, et de voir un peu comment nous-mêmes on le fait. Ça, je suis d'accord avec toi, mais jusqu'à un certain point, et pas dans un orchestre. C'est ça le problème, c'est l'orchestre. Et sur l'autre, c'est une autre histoire. Tu sais? Quand tu es dans un orchestre, d'abord, si vous êtes moi, le bêtiste, il faut que vous entendiez. Si toi tu décides d'une affaire et monsieur à côté, là, ça, tout est fait. Et donc ça, c'est un problème à l'orchestre. L'autre problème, il faut aussi que, ça se fait aussi que dans l'orchestre, n'oublie pas que ton affaire, c'est par rapport à l'accompagnement chez les violoncelles, et la doublure chez le corps. Encore là, à moins d'avoir une idée claire pour tout le monde, non, je ne peux pas te laisser toi décider, parce que ça ne se tient pas comme un ensemble. T'sais? Donc, dans l'orchestre, plus l'ensemble est grand, autrement dit, moins ça a du sens de laisser le monde improviser, parce qu'ils vont risquent de sortir des choses qui n'ont pas grand rapport avec tout le reste autour. Okay. Oui. Il y a quand même un sens hiérarchique à respecter dans l'ensemble dans un bécan, dans l'orchestre. Yes. Les trois clarinettistes, c'est sûr qu'ils ne vont pas se poigner le bec. Il y en a un lit, il y en a un autre. Exact. C'est ce que je veux dire. Je te dis, c'est quand même décidé par quelqu'un. Si le compositeur n'a pas décidé, c'est sûr que le premier violon, mettons, ou le premier clarinettiste ou whatever, quelqu'un va décider, là on lit ici, puis on fait staccato-là. Il faut pas que ce soit dans le ça c'est sûr. Okay. Moi, en tant que compositeur, j'aime ça savoir moi-même ce que je veux. Moi, là, si j'écris une mélodie, puis moi j'apprends souvent comme tam, pam, 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 puis la clarinettiste lui fait pap, 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 pam, 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 même si c'est beau, là, mais t'es tanné. Maintenant, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé d'avoir une pièce répétée, puis l'instrumentiste dit, écoute, là, ce que tu as ici, là, c'est peut-être un peu gauche, qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire comme ça? Puis parfois, je l'accepte. Tu sais? Parfois, ça peut. Évidemment, je ne joue pas les instruments. J'ai quand même beaucoup de connaissances, mais est-ce que j'ai quand même pas joué la clarinette moi-même, je n'ai pas joué du violon moi-même. Donc, ça peut arriver que l'instrumentiste peut me donner une idée qui soit une bonne. Puis, fine. Tu sais, je suis bien content de l'avoir. Je pense que ça augmente les connaissances. OK? Mais il reste que je vais juger selon est-ce que ça correspond au caractère que je voulais. Okay? Ça, c'est mon critère de base. Okay? Donc, par exemple, tu sais, on va en parler à un moment donné, pour décider des simples coups d'archerie, disons, dans les phrases. Okay, là, c'est impossible de le faire. Je ne suis pas un instrumentiste à cordes, puis j'arrive à rester à 90% à ce que les gens n'aient pas à changer mes coups d'archerie dans mes partitions. Okay? Je sais ce que je fais. Okay? J'ai appris ça. Avec les études et aussi avec des amis instrumentistes, à certaines périodes de ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à dire, mais qu'est-ce que tu fais si tu fais comme ça, comme ça, comme ça? Finalement, donc, j'ai compris pas mal comment c'est fait. Donc, c'est relativement rare qu'on me dise, franchement, ça ne marche pas ton affaire. Okay? Ça se discute, mais c'est rare que ce que j'ai manqué est carrément ridicule. Ça ne se tient pas debout. Maintenant, j'ai fait, mettons, tu sais, peut-être dans une symphonie, mettons un passage de cinq mesures où vraiment il dit non, si c'est gauche comme ça, là, on va le faire. Et ça, en général, je suis capable de les marquer. Je parle du pain viande, là. Je ne parle pas des trucs, des super spécialisés. Je parle des liaisons de tous les jours. Là, okay? Mais là, vous allez, Mon point, c'est simplement que plus vous avez vous-même, en tant qu'orchestrateur, d'une part, une certitude par rapport à ce que vous voulez, et une bonne connaissance des instruments, vous avez tout avantage à essayer de spécifier vous-même, quitte à consulter avec un instrumentiste au besoin. Et évidemment, soyez ouvert. S'ils vous font des suggestions, bien sûr, soyez ouvert. Mais la philosophie qu'on entend parfois, et qui est une mauvaise, très amateur, ils vont dire marquer une phrase, et là, c'est ça l'instrumentiste. Garbage. Amateur, ça. Okay? Ça, c'est bien beau là, pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais il n'y a aucun vrai pro, compositeur, je parle, qui va fonctionner comme ça, en général. Comme je dis, ça se peut qu'un passage que demande l'instrumentiste, que c'est possible de faire ça, ou dans telle place, oui, j'ai déjà fait ça souvent. Mais c'est l'idée que pas avoir l'idée de ce que je veux, en gros, ça veut dire que je ne maîtrise pas maîtriser mon métier. À ce moment-là, ma responsabilité, c'est d'être le plus spécifique possible. Et encore, je souligne l'aspect économique, comme d'ailleurs Rivet l'a dit dans la répétition de la semaine dernière, OK, pour une lecture, il disait, moins vous indiquez, plus on va perdre du temps dans la répète de votre pièce, à bla 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 bla. Vous avez 15 minutes déjà, c'est pas beaucoup. Si on perd 10 minutes à discuter, là, c'est 10 minutes que votre pièce n'est pas jouée. Fait que ça enlève beaucoup, là, ça enlève 65% de ton temps. Okay? Ce qui n'est pas rien quand ta pièce a duré 15 minutes. Okay? Fait que ça, c'est le gros point. Plus vous savez, plus vous êtes spécifique, mieux que c'est pour tout le monde. Okay?
OK. Donc, on a vu ta question. Juste la liaison. Est-ce qu'on doit les marquer les hiérarchies de manière générale? Tu marques les liaisons, mais pas les tirées. OK. Sauf dans des cas très spécifiques où on veut des effets, mais. Normalement, on s'attend à ce que tu marques des liaisons qui aient de l'allure, que je vais en parler à un moment donné, parce que c'est une question assez élaborée, pour que les principes sont simples, dans le détail, ce que vous avez assez complexe, OK? Des tirées et des poussées, ça c'est autre chose. Mais je vais en revenir, je vais en parler, parce qu'on ira dans ça, puis je vais discuter justement l'application de ça, OK? Croyez-moi, à la fin de ce semestre, vous allez avoir entendu beaucoup de ces sujets-là, OK? Mais c'est ça l'idée, hein? OK, intention, réalisation, communication. Il faut d'abord avoir une intention précise. Si vous n'avez pas d'intention, il y a rien à discuter. On n'en parle pas. Okay? Ensuite, si vous avez une intention, qu'est-ce que vous avez choisi pour le faire? Est-ce que vos choix conviennent ou pas? On va discuter de ça. Et ensuite, est-ce que vos indications disent ce qu'il faut à l'instrumentiste pour le faire de façon économique dans le temps? Okay? Pour qu'il puisse arriver vite au résultat voulu, avec un minimum de blablabla et de perte de temps pour tout le monde. Okay? Ça, c'est les trois étapes. Okay? Laisse-moi passer les trois étapes dans cet exemple ici au complet. Ça vous donne un bon survol du processus. Okay? Il y aura sûrement des questions, mais ça va me permettre quand même d'embarquer. Donc, première chose, quand on fait, on a tempo et nuance, mais on n'a pas d'articulation du tout. Il nous faut quelque chose. C'est spécifié. Okay? Des liaisons, des points avec des traits, mais c'est donnez-moi ce que vous voulez. Okay? Je peux vous dire, en général, si vous faites juste jouer sans aucune indication, d'une part, c'est plate. C'est comme quelqu'un qui prononce son procès avec chaque syllabe exactement de la même façon. Pas bon, hein? Okay? De la même manière, une phrase musicale a son énoncé, sa ponctuation. Okay? Puis c'est à vous de spécifier. Okay? C'est plus intéressant d'avoir pop, 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 voilà, dans la norme que ta, 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 ta. Et c'est rare qu'on veut quelque chose d'aussi comme, tu sais, aussi marqué à toutes les notes. Puis généralement, c'est des passages très courts. Donc. Ça, okay, ce type d'attaquer à chaque note. Et d'ailleurs, c'est même pas ça qui est marqué, il n'y a pas d'indication. Mm-hmm. C'est pas de ta faute, je ne suis plus peut-être en premier, mais c'est, ça a été n'importe qui, c'est la même discussion. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. Okay? Donc, on s'est convenu que le choix de la trompette est en ce registre ici, on parle du registre, ça c'est dans son val. Donc, la trompette est donc sans registre relativement aigu, mais sans être dans l'extrême aigu difficile. Ça pète le feu, quand même, ce qui est bon pour le caractère voulu. Okay? Si vous demandez à la trompette de faire une berceuse dans ce registre-là, mais là, vous avez un petit problème. OK? Ça ne berce pas. OK? Rendu là, là, c'est pas ça qu'il faut pour bercer. OK? Si vous demandez à la trompette d'être mystérieuse dans ce registre-là, sorry, c'est pas ça qui va faire l'affaire. OK? Il y a d'autres choix qui sont mieux pour ça. OK? Dans le caractère, quand un peu comme tu on fait un militaire, oui, ça peut être bon, parce que c'est clair, ça sort bien, l'instrument, son énergie militaire, l'articulation est nette et précise. Donc ça, c'est bon. Donc, il faut d'abord préciser l'articulation, number one. OK? Évidemment, savoir pour savoir. Bref, pour les instruments avant, tous, OK? Liaison, ça veut dire une articulation ta au début, OK? Quand vous cassez la liaison, ou bien vous mettez des points d'étude de ça, l'articulation va être. Un tas ou une variante, parce qu'il y a beaucoup de il y a toute une gamme d'articulations possibles. C'est pas juste tas ou rien, c'est tas, tu sais, beaucoup de entre les deux, OK? Mais grosso modo, c'est sûr que si vous faites un à chaque deux notes, l'implication c'est ta, 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 OK? En principe. Okay? Si vous faites des staccatons, c'est ta, 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 OK? Mis à part le couple de cas spéciaux, bon, quand c'est très vite, etc., mais normalement, il faut quand même avoir une idée, OK? La meilleure façon de mettre les liaisons, si vous ne jouez pas vous-même l'instrument avant, c'est de dire votre phrase de façon normale et observer où vous faites les tas. Donc, si je regarde ça, si mettons, j'avais composé la mélodie, je dis OK, je veux ça dans ce caractère-là, puis OK, ta 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 Okay. Ta, 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 au début, je les ai séparés, donc c'est un minimum un point, sinon un point tiré, OK, ou un point accent, OK. C'est-à-dire, vous remarquez comment vous dites la phrase, utilisez la parole pour vous donner un petit lien, OK. Si vous jouez un instrument avant, vous allez avoir un peu plus de subtilité, parce que vous allez connaître un peu plus, les entre les deux, il y a un peu plus de finesse. Et même à ça, la base est pareille. Autrement dit,
Si vous êtes capable, en gros, de savoir ça et ça, ça, c'est les deux articulations basic. OK? Le reste, c'est entre les deux par rapport à staccato ou lié. Donc, vous partez avec ça. Première question, es-tu lié ou pas? OK? Est-ce que c'est chaque note une attaque, ta 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 ta, ou est-ce que c'est ta ra ra tam? Ça, c'est votre première décision. Après ça, vous commencez à rentrer dans la finesse. OK? Donc, j'essaie de simplifier ça. Comme la semaine dernière, je vous ai dit de fonctionner comme si vous n'aviez que quatre nuances, pianissimo, piano, forte, fortissimo. Pas parce qu'on ne s'en sert pas des autres, mais parce que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est beaucoup plus facile de dire es-tu doux ou fort, ou très doux ou très fort, de dire mais c'est-tu mezzo forte ou mezzo piano. Pour un débutant, là, décider à mezzo forte ou mezzo piano, là, vous n'avez pas ce qu'il faut pour ça. Okay? Même un chef d'orchestre, parfois, va avoir mis ça, il va équilibrer. Mais écoute, là, c'est plus mezzo forte, il faut que tu joues pour équilibrer les autres à côté. Ça, ça prend belle expérience. Vous avez pu donner une idée claire. Généralement, la plupart des idées vont mieux se jouer doux ou fort. Fait que décider, ok, t'es-tu doux, fort, ou très doux, très fort. Okay? Ça, c'est votre premier mot. C'est la même chose ici. T'es-tu bien ou piqué? Okay? Staccato ou legato. Déjà, en faisant ça, vous donnez beaucoup d'informations à l'interprète. Là, vous pouvez laisser un peu de marge de manœuvre à l'interprète. L'interprète, par exemple, peut voir les staccato, disons, à la clarinette, et il y en a des flèches, il va faire ça, ta-ta-ta, et d'autres, c'est ta-ta-ta-ta-ta. Il peut jouer avec le caractère, surtout si c'est un solo, okay? C'est important aussi, parce qu'il y a une différence entre solo et jouer par groupe, ce qui est quoi? Par exemple, cette mélodie, c'est marqué une trompette singulier, ok? Est-ce que c'est une bonne idée de mettre ça à une trompette ou est-ce que tu mets ça à plusieurs trompettes doublées à demi sur lequel c'est le meilleur ou pourquoi ou comment décider? Bien? Je pense qu'il est accompagné par des cordes, c'est mieux que les trompettes soient solo. Pourquoi? Pour avoir un peu plus de liberté d'interprétation. Comme il est seul dans son groupe, il va ressortir d'autant plus que c'est un soliste. Ok. Alors, c'est sûr, les deux, ils vont être un peu coincés à jouer l'un avec l'autre. Ok. OK, ça c'est un point important. Il y en a d'autres, je vais rajouter d'autres points à celui-là. Comment est-ce qu'on décide en général, à part les cordes qui sont normalement jouées en masse dans un orchestre, OK? On n'a pas des vents au bois, clarinette, trompette. Donc, quand vous avez un orchestre mettons, de taille normale avec deux ou trois tracks, comment vous décidez quand vous mettez deux, trois, quatre, un, tu sais, quand vous décidez ça? C'est quoi le critère? Il y a un critère quand il dit que c'est sûr que plus c'est joué par un groupe, plus il faut s'entendre d'une part, puis moins il faut que ce soit libre. Ça ne peut pas être très libre si je joue en masse pour la simple raison qu'ils ne sont pas ensemble. Okay? Mais il y a aussi plus que ça, à savoir. À quel point tu peux analyser un peu ça par rapport au groupe. OK. Et donc, comment tu veux décider? Ben, c'est certain que si les trompettes jouent la mélodie principale et ça doit sortir au-dessus de la masse, c'est quelque chose de complètement différent du reste. Il vaut mieux de mettre plusieurs trompettes plutôt qu'une, où là, ça va plus se fondre à la masse. OK. C'est le contraire. C'est quand tu veux que ça sorte, parce qu'il est libre, il peut s'expliquer ça. OK? Souvent, les gens vont penser que si tu as un instrument qui n'est pas assez fort, doublez-le. Non. Ce qui arrive, là, quand tu doubles un instrument, et ça, c'est vrai de n'importe quoi, OK? Soit un seul violon, je ne parle pas de la section, je parle d'un violon, un instrument, ou une trompette, ou une clarinette, ou une basson, peu importe, OK? Aussitôt que tu as un instrument de type mélodique, puis tu as double, ou triple, whatever, OK? L'effet, ça n'a rien à voir avec doubler sa force. D'une part, aussitôt que tu ajoutes, mettons, une deuxième trompette, clarinette, flûte, whatever, OK? Il y a des questions d'intonation. C'est jamais parfaite l'intonation en deux. Si je veux dire, it's not possible. Okay? Même dans le meilleur orchestre du monde, ils vont jouer très juste, mais tu vas te rendre compte très vite qu'il y en a deux qui jouent pas. Okay? Il y a toujours des petits battements ici et là. Le pitch change toujours par un tout petit peu encore de la note. Il y en a un qui fait un petit crescendo, l'autre fait un petit crescendo. Le pitch va modifier un petit peu. C'est impossible de faire ça comme pack, straight comme ça. Ça, c'est une chose. Il y a aussi le fait que les deux instruments, jusqu'à un certain point, vont s'annuler. Même si vous regardez les fréquences acoustiques, certaines fréquences vont s'annuler quand ils jouent sur les mêmes notes. Ce qui fait que, croyez-le ou pas, pour doubler la force d'une trompette, sais-tu combien de trompettes il faut pour doubler la force perçue là, d'une trompette? Il faut citer une douzaine.
Okay? Pour en dB, là, tu mets ça en dB, là, c'est, mettons, je sais pas, 80 dB, là, ou whatever, OK? Si tu veux que ça sonne comme doublé, il faut que tu n'en mettes pas deux, là, pas trois, là, style quand c'est 10, 12. Okay? Donc, en termes de force, vous ne gagnez pas beaucoup à doubler un instrument. Okay? Il y a un gros changement, mais pas au niveau de la force, au niveau du caractère. Quand il y a un instrument qui joue, ça donne l'impression d'être un individu. C'est un solo, c'est comme une voix d'une personne personnalisée qu'on va entendre avec son petit vibrato, son petit phrasé, c'est toute sa particularité en tant qu'individu. Un peu comme chacun d'entre vous, si vous parlez séparément, on a chacun normalement une autre articulation de la voix. C'est, on s'exprime pas de la même façon. Si on met tout le monde ensemble, c'est pas que ça va être tellement plus fort, un peu oui, mais l'aspect individuel est plus grand. Okay? Ça devient un groupe. Okay? Maintenant, le problème, c'est entre un et groupe. Le problème, quand on a deux, okay, c'est un peu la fameuse affaire de un, deux, trois, beaucoup. Okay? À deux, généralement, à part un couple de cas spéciaux, le fait d'avoir deux, ça ne fait pas assez pour un groupe parce que t'entends quand c'est faux. À deux, quand tu as cinq, l'intonation va faire une sorte de moyenne, puis tu entends juste une sorte d'effet de chorale. Okay? Comme une chorale de voix, justement. Si on chante tous des « la », on n'aura pas exactement le même « la », mais ça sortira comme un « la » sur de moyenne. On ne sera pas dérangé pour l'intonation. Mais si je demande à deux personnes de chanter « la » en même temps, à moins qu'il faut faire des super bons « la », on risque de simplement entendre qu'ils chantent faux. C'est ça que ça va faire, et qu'ils ne sont pas ensemble. Okay? C'est très difficile. Et évidemment, c'est pire quand les notes sont longues. Hein? En staccato, c'est un peu moins grave avec ton intonation. Par contre, au niveau staccato, il y a l'autre aspect qui est le problème, c'est l'attaque. Ouais. Au lieu d'entendre ping, t'entends. Il n'y arrive pas pire le rapido. Bref, la perception humaine est très sensible à l'effet d'individu versus effet de groupe. Okay? Et à deux, c'est un peu le pire des deux mondes. C'est pas assez pour être un groupe, mais c'est trop pour être individuel. Okay? Donc, à part certains cas de mixture de thèmes, où ça c'est un cas spécial, généralement, vous ne faites à peu près jamais doubler une ligne seulement à l'unisson par un autre instrument du même genre. C'est assez rare de faire ça, à moins que ce soit au milieu d'un grand outil où c'est doublé par 50 autres personnes. Ça, c'est une autre question. Mais quand c'est vraiment une ligne particulière, à part un couple de cas très spéciaux pour des raisons assez particulières qu'on verra à un moment donné, c'est pas chose qu'on fait. Fait que le choix normal, ça va être entre un, et là vous dites, est-ce que le caractère de cette ligne, est-ce que c'est un caractère qui mérite d'être chanté par une voix? C'est un solo vraiment, est-ce que ça a le sens de quelqu'un qui chante seul, ou est-ce que ça a le sens d'un groupe? Si c'est un groupe, généralement vous êtes bien à ce moment avec trois ou d'autres aussi. Si c'est seul, le caractère, vous mettez un, bien? Si on veut juste deux instruments, mettons. Même genre ou deux instruments différents, un flûte ou bois. Justement, mettons qu'on veut gagner ce doublé, serait-il mieux de mettre deux trompettes unissantes, tu mets trompette, trombone, qui sont en octave, déjà c'est pas le même instrument. Okay. Octave, c'est une autre histoire complètement. Okay. C'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Okay. Okay. Et j'arrive à ça justement. Okay. Donc, quand c'est à l'unisson, on a d'abord ce problème d'intonation, mais comme je l'ai dit, il y a le fameux problème de force. Comme ça, c'est pour créer une différence comme perceptible de la force, il en faut une tonne, pas deux. C'est une tonne. Okay? Vraiment une grande différence. Et c'est pas pour rien que dans un orchestre symphonique normal, il y a 16 violons. C'est pas trois. Dans un petit orchestre à cordes, oui, il y en a trois parfois, mais c'est tout à fait un autre son. Ça n'a rien à voir avec le son de 12, 16 violons. C'est pas la même chose. Okay? C'est vraiment un autre phénomène. Pour la simple force, okay? Si la question c'est simplement que la ligne ne ressort pas assez, et si vous n'avez pas fait de conneries dans la décision originale, par exemple, si vous ne demandez pas un solo, mettons, de la flûte dans le registre grave accompagné par 5 trombones, bon, si vous faites ça, là, vous êtes beau de mettre 35 flûtes, là, que ça ne marche pas, ok? Ça, c'est juste une bêtise au niveau de la décision originale, fait que donc, c'est pas en doublant la flûte que ça va régler le problème, ok? C'est vraiment en noyant les trombones. Okay? On les met dans la mer, puis goodbye. Okay? Comprenez? Bien, si vous avez quelque chose qui a du bon sens, okay, et si vous voulez augmenter la force, c'est toujours en ajoutant les douleurs à l'octave que vous allez augmenter. Pourquoi?
Parce qu'au niveau acoustique, du moment que vous renforcez les harmoniques aiguës, surtout à l'octave, okay, la perception de force est énormément changée. Okay? On voit ça à l'orgue, à la distorsion à l'orgue, où vous avez des jeux de 8 pieds, ce qui est la même hauteur que le piano, des jeux de 4 pieds, 2 pieds, ainsi de suite, okay, qui doublent les différentes octaves. Okay? Si vous mettez 5, 8 pieds ensemble, mettons 5 flûtes, 8 pieds ensemble, ça fait juste un son gras de 8 pieds, pas un son fort, un son grand, très volumineux, ok? Alors que si vous mettez une flûte 8 pieds et une flûte 4 pieds, ça va sonner plus fort. Juste parce que vous avez renforcé l'harmonique à l'octave, donc ça va sonner plus fort. Ce qui fait que si vous voulez doubler ou enfin, faire une différence importante dans la force, mettons, d'une flûte, doubler à l'octave. Généralement en haut, ça va dépendre d'où est l'original. Ça peut être en bas, mais c'est évidemment quand tu doubles en bas, ça fait un peu plus sombre comme couleur. Mais en termes de force, la double à l'octave ajoute toujours beaucoup plus pour votre argent, ok, que la même chose à l'unisson. Okay? Si tu as deux flûtes, puis tu veux faire ça relativement fort, tes deux flûtes à l'octave vont rendre beaucoup mieux que deux flûtes à l'unisson. Il n'y a aucune comparaison, mais vraiment, là, c'est deux mondes différents. Okay? L'autre avantage de faire deux flûtes en octave, curieusement, ça garde l'effet de solo davantage. Par exemple, Mozart, il fait très souvent une doubleur qui est très comme. Très, il affectionne beaucoup la doubleur flûte et basson à deux octaves, un gris entre les deux. Très, très souvent, il fait ça, OK? C'est une très belle doubleur et l'écart entre les deux, que ce soit une octave ou deux, peu importe, ça fait qu'on entend quand même, c'est clair que c'est deux instruments, c'est, on entend quand même deux affaires, mais évidemment, qui sont fondues ensemble. Ça fait une belle couleur. Okay? Donc, d'où encore l'idée qu'avec deux instruments du même type, on fait un beau type, souvent pour la force, vous doublez à l'octave ou en octave. Le nombre d'octaves va dépendre du caractère. Okay? Si c'est quadruple forte, c'est pas flûte et basson à une octave qu'ils vont faire. Mais le principe est quand même le même. Tu sais, c'est les doubles à l'octave qui vont faire de quoi pour la force. Yes? Est-ce qu'il y a deux instruments qui ne sont pas de même type à l'unisson pour la force? Ça, ça dépend desquels. Ouais. Ça dépend desquels. Ça, c'est toute une étude de combinaison de timbres mixtes. J'aime autant que pour l'instant laisser ça pour quelques semaines parce que c'est un immense sujet. Okay? C'est un très gros sujet, ça. Okay? Disons que, juste de façon générale, je vous ai dit la semaine dernière de penser tous les instruments avant, okay, surtout les bois, comme s'ils étaient trois instruments chacun. Clarinette dans le bas, clarinette dans le médium, clarinette dans le violon. Okay? Comme ça, parce que les caractéristiques des nuances ne sont pas les mêmes dans les différents registres. Okay? Donc, si, mettons, on pense à, disons que clarinette dans le médium, donc je dis, en bas du break, mettons en do central et là, ou là, là, ça c'est la partie de l'instrument la plus terne. Il y a moins de caractère dans ce registre-là. Ok? Fait que c'est pas un caractère bien fort. Ok? Là, tu ajoutes la flûte qui est également relativement comme. Sont pas beaucoup de couleurs dans ce registre-là, ça ajoute pas bien gros sa force. Tu ajoutes le hautbois, par exemple, tu vas l'entendre. Okay? Parce que le hautbois, il gagne en force plus il descend. Le bas du hautbois est pas mal plus timbré, puis tu vas entendre une nette différence. Mais comme je dis, ça dépend de quel instrument et quel registre. Okay? C'est pour ça que la question est complexe, surtout par rapport au bois. Mais des cuivres et des cordes, c'est un peu plus facile à gérer, juste parce que les registres sont moins différents en termes de couleurs. Alors que les bois, ça peut être assez marqué. De façon générale, il faut penser que les doubles hanches, c'est-à-dire hautbois, cor anglais, basson, sont plus forts dans le bas, okay, et plus maigres dans l'aigu. Les hanches simples, ou comme la flûte qui n'a pas d'hanche du tout, okay, généralement, avec un couple d'exceptions, ils font un crescendo pendant qu'ils montent. Fait que si tu fais la clarinette, et je ne parle pas de super aigu, mais tu sais, du médium vers l'aigu, il va naturellement faire un certain crescendo. Ce n'est pas pour rien que d'ailleurs qu'on appelle le registre au-dessus du médium le clairon, qui fait appel à un son de trompette. C'est comme une sorte de petite trompette. Même d'ailleurs, si vous avez un accord de corps, OK, quatre corps, okay, vous avez besoin de faire l'aigu. Évidemment, le corps ici, il faut guérir, ça ne se joue pas dans ce registre-là. Mais trois clarinettes à l'aigu, ça va compléter très bien tes quatre corps. Okay? C'est comme une sorte de. Un son de, un peu plus cuivre, pas cuivre, en fait. Il y a une certaine clarté de la clarinette dans ce registre-là. Donc, il est capable d'une certaine clarté. Ça va bien compléter, il écrive pas trop fort. C'est juste au niveau de la force, tu n'atteindras jamais le triple forte du corps, par exemple. Okay? Tu sais, comme je dis, c'est pour ça que la question est très large.
Okay? Si tu commences à m'éterniser là-dessus, ça va être éternel, justement. Okay? Au fur et à mesure. Pour l'instant, je veux se dire avec les exemples qu'on a, parce que je vous fais rentrer dans la question, puis il y a beaucoup de choses à discuter dans ça. Donc, je reviens à ma trompette. Donc, on vient de décider que probablement on est mieux avec une trompette ici, okay? Dans ce cas-ci. Okay? Une ou dix. OK? Soit c'est un brass band, donc, puis qu'on a vraiment une gang de trompettes, OK? Ou bien c'est une. OK? Le seul cas où, parfois, on peut installer une deuxième, mais ce n'est pas le cas ici, quand vous avez une très vite et difficile pour y faire alterner. Pendant 25 mesures, peut-être pour pas que sa langue, comme complètement, se détache. OK? À un moment donné, tu peux alterner les deux à chaque deux mesures, mais ça va être en chevauchant d'une note à chaque fois. Okay? Mais ça, c'est bon, c'est un cas spécial. Et faire profond, c'est pas vraiment le ni ça, c'est alterner, c'est autre chose. Okay? Donc, on va se voir ton père. Bon. Maintenant, je vais parler des cordes une seconde. Okay? Donc, même, ici, les cordes de la trompette. Et ça m'amène à toute la question de doublure par rapport aux instruments autres que les mêmes. Jusqu'à là, on a parlé de doubler la trompette par d'autres trompettes. Okay? Mais là, maintenant, on a, par exemple, les violons B2, qui sont à l'unisson de la trompette au début. Après, ça, ils font. Okay. Ça, c'est bien fait, mais juste pour être sûr que vous comprenez. Tout le monde comprend ce qu'il veut dire quand il double cordes et non pas divisé. Les cordes vont comprendre, mais les autres, vous comprenez bien ce que ça veut dire? Oui. Okay. Alors, c'est quoi la différence entre les deux en termes d'effet, s'il vous plaît? Ben, c'est que si vous êtes en mettant son archer, vous pouvez faire un décalage au niveau des cordes. OK, la première chose, pour jouer plus que deux notes simultanément sur un instrument à cordes, il y a toujours un peu d'empêche. OK? Simplement parce que la manche n'est pas plate, OK? C'est un peu courbâtre, ce qui fait que l'archer n'est pas capable de rejoindre trois notes simultanément absolument. S'il joue bien fort, tu vas entendre fort, tu sais, à peu près. Mais, tu sais, c'est jamais vraiment comme au piano, ceci. Non, ouais. À l'arrière, tu vas entendre petit décalage, et même ça, il faut que je joue très fort pour avoir cet effet-là. Et à deux notes, c'est pas grave, tu sais, parce qu'à deux notes d'archet, c'est juste un angle en deux cordes. À trois cordes, c'est une petite courbe qu'il faut, puis l'archet ne fait pas ça que naturellement. Okay? Donc, première chose, quand c'est non divisé, c'est-à-dire joué par toute la section, trois notes chaque, donc juste faisons un petit calcul ici, hein? 16 violons, chaque violon joue 3 notes, ça fait 48 notes. OK? Ça me fait du son, ça. OK? Si on divise, qu'est-ce qui arrive? 16 violons, ça fait 5 instruments par note. OK? Voyez-vous la différence entre les deux situations? OK? Donc là, vous avez réduit de beaucoup. Vos points, c'est comme j'ai dit, c'est pas en doublant que vous allez avoir autant de force. Mais quand même, la différence entre 16 et 1, il y a une différence de force. Yeah? Oui, mais en même temps, le violoniste, pour faire des triples cordes, on peut imaginer que ça va être différent dans la qualité du son, mettons qu'il va peut-être moins pouvoir se concentrer, faire un beau vibrato, etc. Justement, si on le fait divisible, il pourra le faire. Est-ce que ça n'ajoute pas à la puissance? Bon, alors ça, comme. Bon, en principe, si tu veux de la force et de l'accent, tu veux des doubles cordes, ou triples cordes, ou quadruples selon le cas, OK? C'est des moyens d'accent. Donc, comme il est fait ici, son fond, c'est bien pensé. S'il veut faire. Okay? L'implication de. C'est ta 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 nia dans les. Comme ça, le ra, ça en arrache. Pour ces notes-là. Okay? Et c'est voulu comme ça, good. C'est la bonne façon de les faire. Okay? Fait que quand tu veux de la force, tu veux comme mordant. Son fond, on sent le grain de l'archet quand tu joues des triples cordes, des quadruples cordes comme ça. Parfois, tu sais, à la fin des symphonies, souvent quand tu sais, des gros accords à la fin, là tu veux pas, mais tu veux comme gna, tu sais. Fait que souvent ils vont les jouer comme double corde ou triple corde, tu sais, pour avoir le punch de l'accord, ok? Évidemment, c'est plus simple que vous faites des triple cordes de votre corde jouable. Faut bien les connaître, ok? Pour savoir ce que vous faites. Conseil général, corde à vide et intervalle ouvert, ok? Les cordes étant à distance d'une quinte ou d'une quarte sur la contrebasse, OK? Généralement, si vos doubles cordes sont, si les intervalles entre les notes, OK, à part les cordes à vide,
sont comme style des 15 ou des 6, généralement, ça va se doigter assez facilement. Dans l'autre sens, si on sont petits, à moins que ce soit corps de vide, sa tendance est la plus grosse chose. Vous voyez, souvent, quand c'est très gauche, souvent le chef va le diviser, parfois même quand c'est jouable. Par exemple, un accord comme ceci, OK, au violon, OK, qui, strictement parlant, est jouable, mais c'est très gauche. OK? C'est le contraire d'une bonne disposition. La bonne disposition va faire quelque chose comme ceci. Donc, c'est ça, c'est une disposition normale et bonne. OK? Donc, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt. OK? Ça se passe très bien. Ici, c'est le contraire. On est plus près de la corde de mi que sur la corde de sol. Fait que la main est comme tout à l'envers pour ça. Fait que même si c'est strictement parlant jouable, cette affaire-là, OK? Un violiste solo peut jouer. Un chef qui voyait ça, là, même si c'était marqué non divisé, on va diviser. OK? Juste pour ne pas apprendre, parce que l'intervention sur le chef est bonne là-dessus. C'est juste trop gauche à jouer pour un groupe de musiciens d'orchestre. Ils vont dire, on va diviser. Mais par contre, s'il voit à la fin des symphonies de Mozart, ça, donc il y a deux cordes vides là-dedans, plus une six qui est facile à jouer, OK? Ça, c'est juste un, deux, OK? Ça, là, il c'est double forte, puis il y a le temps de préparer les notes là-dedans, puis tu veux finir, yam! Là, on va regarder ça vraiment double corde, OK? Jouer comme un accord. Mais ça dépend des situations. Mais le principe de base, accord non divisé pour accent, pour punch, pour appui, OK? À condition de bien les choisir et de laisser un peu de temps pour les préparer. Hein? Vous ne pouvez pas faire, OK? Ceci n'est pas raisonnable, OK? En presto, si vous demandez à un violon de faire ceci, même si le double corde n'est pas particulièrement difficile, si vous demandez ça en presto, là, bonne chance. Okay? Juste le temps d'essayer de placer sa main sur les quatre notes, il n'y en a pas. Si c'est là, oui, da da da, bam, si non, non. Okay? Et par contre, dans les accords, à la fin des pièces, souvent il y a un silence avant, ou ils sont en noir ou en blanche, faut que il y a le temps de déplacer comme il faut. Okay? Pour ça, il n'y a pas trop de misère avec ça. Par contre, le divisi, c'est une autre affaire complètement. Autant les accords vont renforcer, étoffer, alourdir, accentuer le son, le divisi va finir le son. Ça va atténuer, rendre ça plus fin, plus doux. Okay? Fait que donc, si vous voulez, par exemple, accompagner une voix humaine extrêmement douce, okay? Et vous voulez être avec un accord, mettons, avec beaucoup de notes, mais pas comme complètement noyé, souvent un accord divisé, même très divisé, c'est diviser votre premier violon en quatre, donc quatre violons par note, OK? Là, vous pouvez faire aller jusqu'à même, pas en pêche, mais mettons tout jouer comme claqué, OK? En divisé, comme ça, ils vont pouvoir jouer extrêmement doucement. Quand c'est divisé. Okay? Mais c'est une autre sonorité complètement. Ça n'a pas du tout le même son, ça n'a pas le même attaque. Okay? C'est, parce que plus vous avez d'une partie d'une autre instrument, ça fait que le décalage d'attaque est moins fort, il y a moins de grains sur l'archet, puis l'attaque va être plus douce. Ça, c'est la raison pour laquelle, un fait très curieux, hein? Si vous avez un seul violon ou violoncelle, dans un instrument à cordes, ça saigne, et vous demandez de faire un crescendo à partir de rien. Vraiment, essaye de commencer dans l'inaudible, puis développer ta note au moment, jusqu'au moment qu'elle devient audible. Là, c'est un crescendo super mysterioso au début, puis à un moment donné, on entend la note. Un violon tout seul, vous allez toujours entendre l'attaque. Ouais. Ça va grincer une super attaque, mais pas une section. Une section, on peut demander une section comme quadruple pianissimo, là. Okay? Style commencer à rien, vous ne serez pas certain quand la note commence. Le petit décalage entre les attaques, ils vont, le fait qu'ils durent tous, au fond, ça va comme, alléger le grain un petit peu, l'effet de grain. Fait qu'on peut prendre un accord chez l'orchestre à cordes, surtout si cet accord est bien disposé et comme mettons, divisé, et vous marquez ça comme piano, 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 tu sais, puis demandez que ça soit mystérieux, puis vous ne serez même pas certain quand est-ce qu'il commence. Okay? Chez les voix, il y a un seul voix qui est capable de faire ça, et qui est quand, dans quel registre? Ben, je ne suis pas sûr, en haut, tu peux faire ça. Ouais? Les bons, là, moi, je ne sais pas, mais... Même si on parle pas de quelqu'un de super bon, mais il y a dans le bas, par exemple, un chalumeau qui est capable de partir très doux, c'est moins difficile déjà. Ouais.
La clarinette dans le chalumeau, c'est celui qui est capable de mettre sans grand problème l'attaque la plus douce de tous les bois. Okay? Tous les autres bois, l'attaque est nette. Okay? Pourquoi? Parce que juste pour mettre la colonne d'air en vibration, il faut un peu d'inertie à surmonter. Il y a un peu d'inertie à surmonter, et qu'elle dit t'sais? C'est pour ça, d'ailleurs, le fameux T dans l'articulation, c'est pour ça. Pour mettre la colonne d'air en vibration. Okay? Juste pour commencer à faire bouger l'affaire. Okay? Mais la clarinette dans le bois, c'est le meilleur des bois. Ça n'atteindrait jamais comme les cordes, mais c'est pas loin. Okay? No bois, no way. Pas moyen de faire attaque d'eau bois. Sans qu'on sente, oui, oui, il est là. Okay? Il vient d'entrer mon bois. Okay? La flûte n'est pas bien meilleure non plus. Okay? Le basson, pas non plus. Les cuivres. Généralement, ils ont besoin quand même d'une petite attaque. Tu ne peux pas faire un cuivre comme quadruple piano sans entendre son entrée. Même chose, c'est les autres, ils commencent à spit dans l'instrument. Tu vas l'entendre pareil. Ils peuvent jouer à l'intérieur de l'instrument. Oui, il y a une gamme de nuances possible. Mais le début n'est pas effacé à ce point-là qu'avec un ensemble de cordes. Okay? Donc ça, c'est des choses, par rapport aux nuances, des choses importantes à savoir. Donc, par exemple, si vous aviez une mélodie, et vous voulez l'orchestrer de la façon la plus mystérieuse possible. Et bien, la première note de mélodie, c'est une note longue qui commence avec un crescendo. Et si vous voulez vraiment commencer de rien, donc vous allez vous servir des cordes à ce moment-là. Et ça, c'est la réponse pour ça. Okay? Si par contre, vous avez une autre sorte de situation, vous voulez une attaque franche, peut-être la trompette ou whatever, c'est dépendamment des cordes. Okay? Mon point, c'est d'essayer de vous faire réaliser que toutes ces choses-là, qui sont des connaissances techniques par rapport aux instruments, l'important, ce n'est pas de les mémoriser. Okay? À un moment donné, on les mémorise les bruits juste par le fait d'en faire. Mais l'important, c'est de savoir à quoi ils servent. Okay? Fait que c'est bon de savoir que la clarinette dans le bas est capable de jouer super doux, parce que parfois, on a besoin de quelque chose qui murmure, qui est très, très comme, c'est quasiment un secret. Okay? Fait que ça, on sait, ah, ben lui, il pourrait faire ça. Il ne demande pas ça à nos bois. C'est juste, il n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas ce qu'il faut pour faire cet effet-là. Pour faire, mettons, quelque chose où un accord, ça pète le feu le plus possible, là, mais tu ne fais pas des cordes divisées à ce moment-là. C'est bon, les marqués divisés, ils vont faire leur possible, mais quelqu'un d'autre va dire, OK, on va créer un bon double corde, là, ça va les écraser au complet. Donc, il s'agit donc de comprendre les techniques et savoir aussi à quoi elles servent, à quoi elles sont bonnes au niveau musical. Okay? Bon, là, je reviens à mon point ici. Donc, les cordes ici sont à l'unisson de la trompette. Bon, ce qui m'amène, j'en tire beaucoup de jeu de cet exemple ici, juste parce que c'est le premier, OK? À un moment donné, je me le dis quand même un peu plus, mais là, évidemment, j'ai tout à dire, OK? Là, la doublure est entre une trompette et toutes les sections de cordes à part la contrebasse. Les deux violons sont à l'unisson de la trompette, alto, une octave plus bas, ensuite, violoncelle, une octave plus bas. Maintenant, il y a deux sortes de doublures à l'unisson, deux timbres différents. Okay, on a déjà parlé des timbres pareils, et le problème entre la force et le nombre et tout ça. Et quand il s'agit de timbres différents, enfin, il y a deux extrêmes, entre les deux, il y a des cas. Les deux extrêmes, en principe, c'est des timbres qui se fondent au point où c'est comme un seul timbre qui ressort. Par exemple, connaissez-vous la symphonie inachevée de Schubert, okay? Quand la mélodie au début, la clarinette le voit à l'unisson. Une clarinette et un hautbois à l'unisson, OK? Mais quand vous l'écoutez, surtout à moins d'être vraiment l'orchestrateur d'expérience, mais c'est en écoutant, on ne dit pas, ah, il y a deux types d'instruments. C'est une sorte de timbre mixte. Dans ce registre-là, avec une nuance comme douce moyenne, on n'a pas l'impression que c'est deux timbres vraiment très différents. Ce n'est pas xylophone et hautbois. Okay? Vraiment, là, personne ne doute du fait qu'il y en a deux, okay? De types différents. C'est donc la clarinette et hautbois en ces registres-là, et certains autres comme des ondes, okay? On se fonde au point où, mettons, basson et corps, ça est un autre. C'est un fondu très, très bon. Fait que c'est une doublure qui, généralement, va arrondir, étoffer le son, mais sans vous donner l'impression que c'est vraiment un contraste. Or, en un pas extrême, basson plus pizzicato, la nature des sons est tellement différente qu'il n'y a pas de fondu. On va se dire, ah oui, c'est un basson et un pizzicato. Donc ma question c'est, trompette et corde, est-ce qu'une doublure de type très fondu, on l'a bien modélisé, ou est-ce que tout le monde dit, oh, il y a une trompette plus des cordes? Deuxième chose.
Okay, c'est un cas où la trompette, à part d'autres cuivres, puis un couple de cas très spéciaux chez les bois, ne se font rien. Okay? C'est trop en dehors. C'est un prima donna. Okay? Il y a certains instruments qui sont de nature extravertes. Okay? Chez les bois, c'est de loin le hautbois qui est ça. Okay? Chez les bois, le hautbois, c'est la prima donna. Okay? Comprenez, comme dans la maison d'opéra, vous ne mettez jamais la prima donna dans le garde-robe en arrière. Okay? Elle n'acceptera pas ça. Okay? On lui donne la chambre la plus grande, la plus belle, avec la fenêtre sur la rue, okay? Tout ça. Okay? On ne lui donne pas comme la chambre à côté de la toilette. Okay? Parce qu'elle va chialer fort. Okay? Ça, on lui donne ça. Okay? Ben, chez les bois, c'est le hautbois. Okay? C'est le moins discret de tous les bois. Okay? Il ne peut pas s'effacer, même s'il voulait. Okay? Une clarinette, un basson, une flûte, dans le bon registre et dans le contexte, peuvent comme s'effacer, peuvent être accompagnateurs. Tu sais, il peut dire, okay, je vous passe cette endroit-là. Le hautbois, il n'est pas bien adepte à dire, OK, c'est ton tour, pardon. Okay? C'est juste, c'est pas la bonne nature. La trompette, c'est la même chose, mais encore plus. Okay? Il y a un mot classique du compositeur Richard Strauss qui disait, que, par rapport au cuivre en général, okay, il disait, quand vous pensez que les cuivres sont au bon niveau, baissez-les d'un cran. Okay? En fait, on dit qu'ils ne sont jamais assez doux. Okay? Puis d'ailleurs, le premier défaut d'un trompettiste inexpérimenté dans un orchestre, c'est de jouer trop fort. Okay? Trompettiste qui n'a jamais joué dans l'orchestre, qui fait sa première fois, même s'il est magnifique au niveau de sa technique-là, son premier problème, il va jouer trop fort. Et le chef va dire, down, tu sais, down boy, ok, calme-toi là, tu sais, c'est pas toi qu'il faut, ok? Les solos de trompette, il n'y a pas tant que ça, puis à part tout ça, là, chut, down, ok, calme-toi. Les cuivres, c'est leur nature d'être, sont faits de métal, ok? Ils sont faits du métal, puis c'est du gros métal, puis ça résonne en plus, ok? Fait que du son, il y en a. Et ces instruments-là. Fait qu'encore là, c'est dans la nature de l'instrument. Donc, tout ça pour dire que la trompette, donc, c'est pas quelque chose qui se fait facilement à part avec d'autres cuivres. Au fond, les seuls instruments avec lesquels les cuivres font de façon fiable, c'est d'autres cuivres. Okay? Trompette des corps, trompette trombone, ça, il y a moyen de les fondre, okay? Parce qu'ils sont aussi forts et aussi comme c'est important et aussi imposant dans leur présence. Mais du moment que vous avez d'autres instruments, non. C'est vraiment, tu sais, c'est une guerre. Puis la trompette a gagné. OK? À moins qu'il soit avec la tambour. OK? C'est-à-dire, à part les percussions, il n'y a personne à l'orchestre qui va donner autant de présence sans effort. OK? Ça, on n'a pas l'impression qu'il se fait mourir là, pour faire ça, plus que naturellement, il y a une grosse voix. OK? Fait que c'est dans sa nature d'être comme ça. Fait que la plupart des doublures avec la trompette, OK? Et particulièrement avec les corps, c'est des doublures de type où on entend deux affaires. OK? Et non pas fondues. Okay. Les deux ont leur place. Par exemple, la fameuse doublure clavinette et hautbois dont j'ai parlé dans les inachevés de Schubert, c'est parfait pour le caractère de cette phrase-là. Une phrase un peu mélancolique, troublée, nostalgique, à laquelle la clavinette, tout ça, a été un peu comme trop molle, le hautbois, tout ça, a été un peu comme trop mince. Puis les deux ensemble, ça donne une sorte de belle rondeur, mais avec un peu de mordant là-dedans. Okay. Mais ça, évidemment, il faut connaître toutes les mixtures en masse. Okay. Bon, alors ici, la doublure, donc, la prochaine question, c'est qu'est-ce que ça ajoute? Quand c'est une doublure où on perçoit vraiment deux timbres, comme c'est le cas ici, pourquoi on double? Okay? Normalement, on doublerait parce que ça ajoute de quoi? Un bon exemple de ça, vous allez entendre parfois, parce que c'est juste bon dans un petit registre, c'est corps plus hautbois. Très contrastant, ce n'est pas des instruments qui se fondent, okay? Mais la doublure peut être très très belle dans certains cas, mais il faut juste viser un certain caractère. Si vous n'avez pas ce caractère-là, ça veut juste sonner bizarre, étrange. Même chose pour le trompette doublé à l'unisson par des cordes. C'est, les cordes là, n'ajoutent pas beaucoup en termes de force. La trompette peut les dépasser sans grand problème. Okay? Puis on va dire, ben, OK, qu'est-ce qu'il ajoute à l'ensemble? Qu'est-ce qu'il ajoute les maîtres? Yeah? Je vais continuer sur la manière de concevoir. Si on a deux plans, le plan trompette qui est devant et le plan corde qui accompagne, on peut tout simplement vouloir les violons à cette hauteur-là pour donner un grand registre de cordes, pour qu'une corde en elle-même complète toute la longueur. Généralement, donc, si tu veux voir deux plans, okay, là on en vient à un autre problème, c'est le problème de séparation de plans. Okay? Quand tu as deux plans, par définition, un plan c'est un tout cohérent qui se distingue des autres plans. Okay? Donc à l'intérieur d'un plan, on vise homogénéité. Entre les plans, on vise contraste. Okay? C'est la définition même du bon. Là, okay? Fait que
À ce moment-là, généralement, vous êtes mieux penser votre second plan, pas sur les mêmes notes. Ça peut doubler une note pendant un accord. Mais tu sais, pas de suivre la même ligne en général que. Généralement, vous êtes mieux concevoir le deuxième plan comme sur la même harmonie, mais d'autres notes, pour que ça fasse comme une meilleure distinction avec le premier plan. Est-ce que j'avais oublié ta même question? Tu as répondu? OK. Anyway. Donc, ça, c'est. Donc, ici, je ne suis pas sûr, par exemple, que j'aurais mis nécessairement les cordes à l'unisson doublées avec la trompette ici. OK? Un accent. Ça peut donner un accent, mais encore combien d'accents est-ce que ça peut ajouter à la trompette? C'est tout le corps, lui, parce qu'il y a d'autres notes. Tu sais, quand tu fais. Ça va ajouter de quoi, hein? À ça, à la trompette. Mais. Ça va. Tout ce que ça va faire, tu sais, les cordes vont arrondir le son de la trompette. Soit l'attaque du cuivre est un peu comme très claire. Les cordes, par définition, ont une attaque moins nette, parce qu'elles sont très nombreux, fait que ça va arrondir le son un petit peu. Le problème, si tu veux l'arrondir, juste arrondir, tu es mieux choisir des thèmes comme des voix qui vont se fondre davantage. Alors qu'ici, on pensait par soi du fait qu'en oui, il y a un son de corps et un son de trompette à ce moment-là. OK? Encore là, tout ça, c'est le genre de raisonnement qu'ils font. C'est complexe, hein? C'est pas si simple que ça paraît, hein? Tout ça. Mais il faut savoir en tout cas selon quel principe on décide tout ça. Maintenant aussi autre chose, les cordes sont marquées, chaque note au début de la section des cordes est marquée avec un tiré, plus un accent, plus un point. Alors discutons un peu de ça. OK? Bon, d'abord, pourquoi mettre, mettons, quatre notes en ligne avec cette articulation ici? Pourquoi quatre tirés en ligne? C'est quoi la raison pour faire ça? Normalement, si on met plusieurs tirés en ligne, okay, pas juste deux, parce que deux ça peut arriver pour les cordes, juste deux coups d'enchaînement. Mais quand on met plusieurs en ligne, comme sur une note chacun, pensez à ce que ça implique. Okay? L'archet ne peut aller que dans deux directions, down or up. That's it. Il n'y a pas de sideways, il n'y a pas d'alenvers, il n'y a pas de cercle. Okay? Fait que donc, ça veut dire que si je fais chunk, okay, ici c'est fort, je vais prendre un bon petit bout d'archet, je ne peux pas jouer fort avec ça de l'archet. Okay? Je suis obligé de prendre de manger un petit coup d'enchère à ce moment-là. Donc, si je veux, mettons, quatre notes en ligne avec des tirés, il faut que je l'attrape. Autrement, plus d'enchère. Il faut faire chunk, chunk. Ben, là, il n'y en a plus. Okay? Je suis obligé de faire chunk, chunk. T'sais? En rattrapant, je ne peux pas être sur la corde. Okay? Donc, ça veut dire forcément, du moment que j'ai pris des notes, mettons des noirs, sont marquées comme ça. Sans rien indiquer d'autre, déjà, ça veut dire à peu près, ben, en tempo moyen, là, à peu près ça. Croche, silence, juste pour le fait même de devoir rattraper. Okay? Pas vraiment du tempo, ça va varier, mais l'important, c'est qu'il y ait un silence assez clairement perçu. C'est pas une subtilité, c'est assez évident. Ça fait même partie de l'effet de tirer successif. Ce n'est jamais cha-cha-cha, c'est tchung, tchung, tchung. C'est assez court, on entend que de la séparation. Okay? À ce moment-là, pas besoin de marquer le point. C'est impossible de le faire sans le point. Okay? Ça se fait même pas. La même chose, l'accent, tu peux bien l'indiquer, mais quand on voit une série de tirés comme ça, c'est automatiquement un accent. Okay? Pourquoi? Parce que là, c'est le bout de l'archet où la gravité favorise la main sur la corde. Là. Donc, c'est plus de poids et par-dessus la corde. Plus on s'éloigne, plus c'est juste le poids de la pointe là. L'archet et la main comme éloignée. Fait que c'est plus léger. Hein? Donc, par définition, l'accentuation vient de l'archet en tirant. On commence avec la main très près des cordes, OK? Puis plus on s'éloigne, si on ne fait rien d'autre de spécial, plus ça va diminuer. Ça veut dire donc qu'il y a une association naturelle contre laquelle les gens travaillent des années, OK? Quand tu fais ça sur une note longue, c'est naturel que ça fasse un petit diminuendo si on ne fait rien, si on ne travaille pas particulièrement. De la même manière, ça s'associe normalement avec le crescendo. Maintenant, les instrumentistes travaillent long et de façon bien ardue, okay, pour surmonter ça, pour que ce soit égal. Okay? Donc, c'est sûr que dans les nuances autres extrêmes, vous avez un passage qui alterne tiré, poussé, tiré, poussé. Normalement, si c'est moindrement bien écrit, la nuance ne te ferait pas toujours des crescendo ou diminuendo. Mais dans les cas extrêmes, on en profite. Par exemple, si on a une phrase, mettons, qui commence pianissimo, puis qui finit, mettons, sur un triple corde,
comme ça, là, chez les filles d'or. Puis on veut vraiment un gros crescendo, là, on va légèrement marquer à partir de temps poussant. Parce que ça donne un crescendo naturel, puis qui a! Là, tu as ton accord qui est généralement tirant, OK? Après, fait qu'autrement dit, ça, là, c'est une longue note poussant, finissant sur ça, OK? Là, ce que j'ai fait, au fond, je me suis organisé pour que la technique de l'instrument fasse tout seul l'effet musical que je veux. OK? Oui, on pourrait faire le contraire, à la rigueur, dans les circonstances, c'est un peu weird, mais en tout cas, même dans une, pour une maison X, mettons, vous faisiez le contraire, vous voyez, tirer et pousser, OK? On peut le faire, c'est gauche, mais c'est pas impossible. Mais là, l'instrumentiste va lutter pour arriver au résultat. Alors que ça, là, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de penser à faire ça au crescendo, ça vient naturellement en puissant. Puis quand il y avait son accord, clam, il va avoir un bon mordant sur son accord. Donc ça, c'est un bon exemple de ce qu'on vise. J'ai dit la semaine dernière, les orchestrations, comme même ce qu'ils disaient, ils se font tout seuls, ils jouent tout seuls. Autrement, ce que vous avez écrit, ça fait tellement votre intention musicale que vous laissez l'instrumentiste jouer et ça va se faire sans travail. C'est juste que vous avez tellement pensé votre affaire en fonction de vos intentions musicales. Vous avez bien écrit, ça va se faire sans penser. Pas besoin de que le chef ait dit « Encore plus de crescendo, s'il vous plaît, là! Okay? » Si vous faites ça à partir de tirer, il va falloir qu'il... OK, plus de crescendo, mais tu sais, faire un crescendo en tirant, c'est du travail. Okay? C'est pas automatique, naturel, facile. Le contraire, c'est facile. Okay? Donc, ça vaut la peine pour vous de savoir. Encore, j'insiste, ça, c'est des effets un peu exagérés. C'est pas une phrase normale avec le petit crescendo et le diminuendo, ça n'a pas d'importance dans ça. Okay? C'est pas juste une normale, li-la-la-la-la, mais c'est le petit crescendo qu'on fait de phrasé, on parle pas de ça. Okay? Parce qu'il y a d'autres considérations à tenir en faisant les liaisons. Mais quand vous avez le crescendo exagéré, c'est la façon de le faire. Mais là, il faut le marquer à ce moment-là. Ben, en fait, si vous savez ce que vous faites, parfois c'est moins marqué, simplement parce que quand les instrumentistes vont jouer, okay, c'est normalement dans un orchestre professionnel, le premier de chaque section va avant, normalement, il est censé marquer les parties de tout le monde. Fait que lui, normalement, il aurait vu qu'il aurait marqué ce qui est logique dans ça. Mais ceci dit, étant donné les réalités des orchestres, il n'y a pas toujours de temps de répétition, parfois c'est une lecture, etc. Si tu sais ce que tu fais, tu le marques, évidemment, tu leur sauves beaucoup de temps. Et si tu sais vraiment ce que tu fais, comme j'ai dit, la chose qui va donner l'effet, mais sans travail. Mais c'est sûr que tu sais, ta répétition va se dérouler de façon bien, ça va couler, vraiment, il n'y aura pas à te demander qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi on fait ça, ça se fait. C'est juste automatique. C'est pour ça que je t'ai dit, tu veux un accent dans un orchestre, au lieu de marquer accent, ajoute un instrument. C'est bien plus facile d'avoir un accent en ajoutant un coup de timbale, ça va faire ton accent tout seul, que marquer des accents sur tout le monde, tu sais. Okay? Tu sais, j'ai vu tellement souvent des gens, mettons, toutes les cordes sont écrites une note par instrument, OK? Pas double corde, OK? Tu sais, puis les voix, même chose. Dans les registres, pas particulièrement fort. C'est marqué quadruple forte, OK? Puis ajoute rien. Encore là, là, vous allez faire travailler les gens pour rien. Si vous placez les instruments comme il faut sur les bonnes notes, les bons registres, faites des doubles cordes chez les vos cordes, ajoutez un coup de timbale, vous n'aurez pas besoin de demander votre accent, ça sera inévitable. Ça, c'est la bonne orchestration. Okay? Vous arrangez ça de façon que ce soit inévitable le résultat que vous voulez. Okay? Pas un gros travail, inévitable. Okay? Ça, c'est la base de la pensée derrière ça. Encore, ce n'est pas juste une question de savoir qu'est-ce que ça peut faire ou pas, techniquement. Il faut savoir ça, bien sûr, mais il faut savoir à quoi ça sert. Okay? C'est pour ça que dans la plupart des livres d'orchestration, ce qui est tannant, ils vous donnent des longues explications sur quelles doubles cordes sont faciles, et pas faciles, plus difficiles, moins difficiles, blablabla. Okay? C'est bien beau, puis c'est bon de savoir, mais nulle part ils disent pourquoi on utilise double corde ici et divisé là. Mais sauf que c'est la une phrase qui fait toute la différence. Okay? C'est quoi le mot le plus important dans votre éducation? Pourquoi? Hein? Le mot pourquoi? Donc, si vous lisez quelque chose et vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez rien appris. Vous êtes bon mémoriser jusqu'à la fin de vos jours. Là. Si vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez rien. Okay? Donc, vous pouvez avoir une mémoire phénoménale, mais si vous ne savez pas pourquoi, ça ne sert à rien de savoir tout ça. Comprenez? Donc, encore là, si vous mettez en application toutes ces connaissances-là, c'est cette question. Là, maintenant, par exemple, la première fois, vous commencez au moins à penser. La prochaine fois, je vais vous dire, hey, orchestrez-moi une phrase
puis avec un grand accent à la fin, j'espère que vous allez penser, OK, accent, qu'est-ce qu'il y a dans l'orchestre qui peut faire des accents? J'ajoute, double chord, il y a toute une liste d'affaires qui font des accents naturellement dans un orchestre. All right? Donc, par exemple, c'est triple chord ici, c'était bon parce que ça fait un accent naturel. C'est bon pour ça. OK? Okay, donc ça, c'est par rapport ici, c'est par rapport à la communication. Hein? Intention, accentuée fort, OK? Décision, tirée successive. Communication, ça c'est superflu, pas nécessaire. Il suffit de marquer ça, c'est clair déjà, OK? Lisez aussi qu'on ne peut pas faire ça très vite, hein? Donc, vous pouvez faire ça en double croche, OK? Tchut. Non, vous savez, il n'y a juste pas le temps. Moi, que ce soit très, très lent. Okay? D'accord, mais ça, c'est une connaissance technique de l'instrument qu'il nous faut. OK, donc ça, c'est par rapport à ça. J'ai un dernier point par rapport à celui-ci, OK? Donc, on a couvert pas mal les questions de liaison, les questions de triple corde, d'accent, blablabla. Une chose, à la fin, chez les cordes, c'est marqué, OK, pits, les deux dernières notes, OK? Bon, couple de qualifications techniques. Première chose, si vous avez l'instrument dans une main, l'archet dans l'autre main, dépendamment d'où vous êtes par rapport à l'archet, ça prend un minimum de temps pour pincer, OK? À part du campus spécial de Left Hand Pizzicato, ça c'est vraiment pour les concertos, c'est pas vraiment pour la norme, OK? Si jamais il arrive que, au lieu d'être au début d'un tiré, où la main n'est pas loin de la corde, anything, n'importe quoi sauf ça, là, qui est un peu ailleurs, c'est pas un millimètre carré, là, OK? C'est gauche, il faut y donner un peu de temps. C'est très rare que vous allez passer d'une note à cette fois-ci, je te mets pas. Okay? C'est très rare qu'on passe d'une note à la suivante. Dans un tempo autre que très lent, on demande arco pits ou pits arco. Okay? On peut le faire jusqu'à un certain point. Si les passages sont longs en pits, ils vont carrément déposer leur chèque juste tout. Si c'est une note, parfois ils vont comme, tenir leur chèque à côté, juste cloum comme ça. Là. Mais c'est gauche. Ah, si c'est là, OK. Si c'est da-da-dim, cloum, pas problème. Mais si c'est da-da-dim, cloum. Ça commence un peu gauche, il n'y a pas beaucoup de temps qui est détenu. Bon, à laisser, de laisser un temps ou deux. Yes. Par rapport au précédent, ce qu'elle dit, en parcours, la question d'avoir l'archet dans la main, quand il tombe, là, dans cette temps, c'est aussi c'est plausible. Essaye de donner un temps ou deux, normalement. OK? C'est plutôt safe. Il y a coupe de corps. OK, si tu arrives en poussant, puis si tu as une note, mettons c'est une corde à vide, pas trop difficile, oui, il y a moyen, tu sais. Pas en double croche, mais il y a moyen, c'est plus facile que, mettons, tu sais, c'est question de degré. Mais si tu veux être vraiment safe, là, tu laisses un temps ou deux, là, c'est sûr, on va en avoir rien. Donc, pour ce cas-là, il y a une évolue qui divise une partie arco, puis l'autre qui se prépare sans envoyer. Mais si c'est à propos, ça dépend pour le reste du passage, pour le caractère, si ça va marcher ou pas, ça. Et dans ce cas-là? Mais dans ce cas ici, au fond, l'intention musicale ici semble être d'aller dans la ligne comme quelque chose de différent. Après là, si tu divises la doubleur qui semble se vouloir assez vigoureuse, pas une doubleur comme peut-être comme fine, on va perdre la vigueur, c'est dans l'air du monde. Si je ne suis pas sûr que tu vas gagner. Autrement dit, moi ma question, c'est que ça c'est un autre point encore. J'ai beaucoup de thèmes à introduire aujourd'hui, OK? Bon. OK. À un moment donné, ça va être moins tannant parce que au moins, je ne veux pas vous parler des questions déjà avancées. Yeah. En fait, c'est ce qui est voulu, c'est un effet de contraste entre yes. L'archet et une pile. On va vous donner les deux notes de pile dans une autre section. Ouais, on va les voir. Ouais. Au fond, ce que je peux faire, c'est mettons, doubler la trompette avec une tonne de voix, beaucoup de voix. Okay. Parce qu'en fond, voilà. C'est pas une flûte qui va faire l'affaire. Il faut vite le faire. Puis beaucoup de voix à l'unisson en octave avec la trompette. Ça, ça va être plus fondu avec la trompette. Puis faire entrer les cordes clou-clou à la fin, ça va faire plus l'affaire. OK? Mais là, ça m'amène à une autre question, puis ça n'est pas une titre. OK? Je vais la voyer sur celle-ci parce que vous allez comprendre pourquoi. Bon. Il y a, bien sûr, dans l'orchestration, il y a des effets un peu contrastant. Par exemple, tu fais une mélodie qui passe de l'alto, qui passe des altos au deuxième violon, dans le même registre du jeu. La différence de timbre est très très fine. Hein? Ça prend un bon oreille vraiment pour savoir la différence entre les deux. Okay? Surtout si le registre n'est pas trop extrême, tu sais, mais le registre autour du dos central, où les deux jouent facilement, là,
Tu sais, c'est pas, c'est, faut être assez bon là, pour savoir si tu les atomes les deuxièmes qui ont joué. Okay? Ça, c'est subtil. Okay? Mais entre la trompette et les violons, il n'y a personne qui a de la misère à distinguer. Hein? Okay. Alors, ça, c'est deux cas extrêmes. Okay? Ou mettons, entre, je sais pas, le Glockenspiel et la contrebasse, ça, c'est évident là, qu'ils ne sont pas pareils. Okay? OK, ça, c'est bien beau. Ça, c'est des cas extrêmes triviales. Mais dans le grand quotidien, ce qui arrive, c'est qu'il y a 3000 cas où il y a un certain degré de contraste voulu, mais il faut doser. Bref, il y a une échelle de contraste. On se pose la question, par rapport aux besoins musicaux, dans la musique, est-ce que j'ai besoin d'un gros contraste ou un petit, ou moyen, ou moyen gros, ou moyen petit, ou moyen gros petit, comprenez? Il y a toute une échelle, hein? Minimum, on peut en parler peut-être de 4-5 niveaux de contraste. Ça, c'est même sans être trop fin, là. C'est ça, je peux dire qu'entre le cas extrême de violon 2 et un ton très proche, là, et xylo et contrebasse, où c'est évident que c'est deux mondes différents, il y a toutes sortes de combinaisons entre les deux où le contraste est comme plus ou moins fort. Il faut décider. Alors, là, il faut décider par rapport aux besoins musicaux. J'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin d'un gros contraste ou un petit? Si c'est au milieu de la phrase, c'est très rare que vous aurez besoin d'un gros contraste. Au milieu des phrases d'arri d'arrim, c'est rare que ça va avoir d'arri d'arrim tout tout. Ça fait un peu comme brusque, comme changement, parce que c'est un contraste assez fort. Il ne faut pas se tromper en pensant que parce que les deux sont joués par les cordes, que c'est les timbres de parents. Le pizzicato, c'est une percussion, à toute fin pratique, en termes du son. Okay? Alors en cause, ça chante. Okay? Donc, même si ils ont tous les joués par des instrumentistes, il n'y a aucune parenté entre les sons. Okay? La nature des sons entendus par les mémoires avec l'autre. Okay? Fait que, donc, il faut se dire, OK, est-ce que j'ai besoin d'un contraste marqué ou un petit contraste? Et ça, c'est juste la musique qui peut vous dire ça. Okay? Par exemple, si la musique avait été écrite comme ceci à la fin, là, mon contraste est beaucoup plus fort que si la ligne est ça. OK? Les deux n'impliquent pas du tout la même orchestration, vous suivez? Okay? Donc, si j'ai une pause qui se veut contrastant, à ce moment-là, ce ne sera pas bon d'avoir les mêmes instruments. Si par contre, je n'ai pas de pause, ça a l'air dans la même phrase, c'est dans la même liaison, faites pas de gros contraste au milieu de la phrase, parce que ça va sonner comme pan, quoi? Et ça vient faire bon. C'est ce que je fais dans la soupe, je ne sens pas du tout à sa place. Okay? Donc, et ça, c'est une des questions les plus difficiles à apprendre dans l'orchestration, cette question de combien de contrastes. Okay? C'est d'ailleurs beaucoup, même des gens qui connaissent peu bien la technique des instruments, donc ils n'écrivent pas des choses injouables, connaissent quand même, c'est en gros, une question d'équilibre pour ne pas demander, mettons, à trois trombones d'accompagner une flûte en grave, bon, etc. Là. C'est là où ils vont se tromper. Ils vont mettre des contrastes trop grands où il en faut des petits, ou petits où il en faut des très grands. Okay? Mais au moins, posez-vous la question. Dites-vous, musicalement, est-ce qu'ils vont faire un gros contraste ou plutôt petit? Puis essayez de penser vos timbres en fonction de ça. Okay? Fait que donc, il y a une différence entre faire la phrase, mettons, disons, avec nos voix et la clarinette qui fait ça, qui est un contraste beaucoup plus modeste qu'en pitch et en côte. Okay? Oui, on entend, mais tu sais, c'est beaucoup moins marqué et évident que l'autre. Okay? Donc, il y a toute une échelle dans ça, okay? Une palette, si vous voulez, de couleurs, okay, de timbres. Puis, pour bien choisir dans la palette, il faut y être sensible. Okay? Exactement comme un artiste peintre, il doit avoir une sensibilité aux couleurs. Okay? L'idée, c'est pas de mettre n'importe quelle couleur n'importe où, de mettre la bonne couleur là où ça convient dans la pièce. Si vous mettez n'importe quelle couleur n'importe où, le résultat, c'est juste du bruit blanc. Okay? C'est juste noise. Okay? Ça ne fait rien d'intéressant musicalement. Alors, du moment que vous savez, si on a besoin ici de bons contrastes, là, c'est le temps, le moment pour utiliser quelque chose de contrastant. N'oubliez pas que le timbre, c'est un aspect, un élément premier de la musique. Quand j'ai l'élément premier, ce que je veux dire par là, c'est que même quelqu'un qui n'a aucune instruction musicale du tout, il ne connaît pas un don d'un ray, okay, il va entendre la différence entre le corps et le violon.
Okay? Pas besoin d'avoir aucun entraînement pour ça. Ces aspects de la musique, c'est ce que j'appelle les aspects premiers, le registre, le timbre, l'articulation, okay? C'est des choses qui sont faciles à entendre pour tout le monde. Ce n'est pas des subtilités. Ce n'est pas la différence, on ne parle pas de la différence entre ceci et ceci. Okay? Là, ça vous faut 50 solfèges pour arriver à telle écoute. Ah, il y a une note qui est jouée différente au milieu du cluster. Okay? Là, c'est une, tu sais, il faut une oreille assez fine pour distinguer ça. Savoir la différence entre un tuba et un hautbois, là, c'est pas nécessaire d'être expert. Hein? Votre grand-mère qui est moitié sourde, elle va être capable de savoir aussi. Hein? Okay? Fait que donc, quand vous faites ça, c'est toujours une bonne idée en composant de penser d'abord aux aspects premiers. Parce que c'est des choses qui tranchent beaucoup dans la structure. Ils sont audibles pour tout le monde. Si ça, c'est mal arrangé, vous pouvez être certain que votre pièce ne se tiendra pas debout. Okay? Si vous faites des erreurs au niveau des choses comme flagrantes comme ça, peu importe votre calcul mathématique de hauteur, blablabla, là, ça ne sert à rien. Okay? Ça va absolument disparaître par rapport à la chose la plus évidente et flagrante qui fait qu'il a mis le hautbois au lieu du tuba. Okay? C'est ça, ça. Donc, réglez ça avant. Okay? Mais ici, c'est justement, on parle du timbre. Donc, comme je dis, on parle d'un aspect premier de la musique, primordial, facile à entendre. Fait que c'est une gaffe en termes de choix de timbre, mettons, en termes de contraste, par rapport à l'échelle de contraste, c'est assez audible. Okay? Ce qui est difficile pour nous, mentalement, d'estimer, mais reste que quand c'est mal fait, en écoutant, on va dire, c'est quelque chose là, qui ne marche pas là, puis, tu sais, il ne pourra pas me nommer, mais il va savoir que ça ne marche pas. Votre affaire. OK? C'est clair? Bon, ça m'amène au deuxième exemple. OK? Le deuxième exemple, après ça, on prend la pause. Mais comme je disais, le premier exemple, j'ai beaucoup de temps à discuter parce qu'on amorce tout. Okay? Le deuxième exemple était pour une clarinette seule. Donc ici, mis en trois, là, OK. Maintenant, ici, j'arrive à une autre question. Ce qui va arriver, la clarinette est écrite comme ça, et il arrive corpa. OK. Donc, le corps s'ajoute en doublant la clarinette à un certain moment de la phrase. OK. En doublant la clarinette à ce moment de la phrase. Maintenant, entre corps et clarinette, qui va gagner le concours de boxing? Yes. Pas d'autre hein? OK? Je vais mettre la clarinette, désolé, là, mais c'est le corps qui va vaincre. OK? T'as pas le choix, mais il est plus fort que moi. OK? J'ai 350 livres, fait que t'es beau battre comme tu veux, là, mais t'es pas assez fort. OK? Fait que donc, principe, le corps ici double la clarinette. S'il est plus fort que la clarinette, son entrée ne sera pas une subtilité. Okay? On va l'entendre « pa, pa, wa, wa, wa », OK? L'autre chose, ici, il tient une note comme pourrait être une résonance. Mais pensez-y bien. Une résonance, est-ce que c'est plus fort ou plus doux que la note dont c'est la résonance? C'est ça. Donc, est-ce que le corps peut faire une résonance pour une clarinette? Oui, ça dépend des relis. Si il joue, si il joue très doux, c'est un bien registre. Il faut que ce soit bon, par exemple. Ouais. Pas mal bon, OK? Mais même à ça, tu sais, le son est large dans le corps. Hein? C'est pas le, si tu dis dans l'orchestre, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait faire une belle résonance derrière un solo de clarinette, je suis pas sûr que le corps va peut-être montrer des choix. Okay? Il y a beaucoup d'autres possibilités qui vont beaucoup mieux faire l'affaire que le corps. Bref, le corps est mieux encore. C'est comme je dis, c'est mieux d'orchestrer selon la nature des instruments que contre la nature. Fait que donc, vous avez l'avantage de mettre les cordes, mettons, en arrière, OK? Les autres, ils peuvent jouer tellement doucement qu'ils ne peuvent pas prendre la place, OK, du corps. Alors que quand le corps vous demande d'être en arrière d'une seule clarinette, au fond, tu sais, il essaie d'être discret, mais le corps, encore, il n'est pas facilement discret. Il n'est pas dans sa nature. T'sais, il est gros, il a un gros pavillon, là, il est costaud, là, tu sais. Il ne faut pas faire comme ça, yeah? C'est quoi le caractère de ce truc-là? De celui-ci, mais c'est un peu triste, quoi, tu vois, ici, là. C'est marqué lento, au fond. Parce que quelque chose, c'est qu'il est marqué, c'est très lent, OK? Mais c'est sûr que c'est pas du tout militaire, à ce moment-là. C'est plus chantant, OK?
Fait que donc, le corps, dans ça, je ne suis pas sûr qu'il est à sa place. Encore donc, par rapport au plan, premier plan, par définition, devrait être le timbre le plus fort, dans le registre le plus fort par rapport aux autres. Pas d'une orchestre, okay? Parce que le tuba est plus fort que la clarinette. Tu peux faire une clarinette au premier plan à condition de ne pas mettre le tuba en arrière-plan. OK? Ben, comprenez? Donc, mais ça, c'est un autre principe de base. Quand vous orchestrez, partez toujours du premier plan. Il faut calculer les équilibres par rapport au premier plan. Si vous décidez qu'il vous faut un hautbois au premier plan, ou une flûte, ou une clarinette, ou un corps, ou whatever, peu importe, OK? Tout le calcul par rapport aux autres ne peut se faire que par rapport au premier plan. Mm-hmm. Donc, du moment que j'ai décidé qu'il faut une flûte dans le grave comme le premier plan, ça veut dire que ça va limiter de beaucoup mon choix deuxième plan parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être fait par rapport à la flûte dans le grave. Okay? Okay? Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas une tonne. Okay? Alors que si j'ai décidé que mon premier plan va être un corps à l'aigu, il y a beaucoup de monde qui peuvent être comme plus en cul par rapport à un corps à l'aigu. Okay? Le calcul se fait par rapport au premier plan, okay? Pas par l'arrière-plan. Autrement, du moment que vous avez décidé que votre premier plan c'est X, dites-vous tout de suite que donc ça m'enlève un tas de choses comme arrière-plan au stop. Okay? C'est la façon de faire le calcul. Donc, on met les priorités où elles sont. Et où est-ce qu'elles sont? Elles sont vraiment au premier plan. Okay? C'est la définition du premier plan, ce qui est prioritaire. Okay? Donc, c'est sûr que si vous respectez ça, et si vous mettez quelque chose de plus fort en avant, ce n'est pas le premier plan à ce moment-là. Le premier plan devient autre chose. Okay? Comprenez? Tout ça, ça peut paraître du gros bon sens, mais croyez-moi, tant que vous n'avez pas d'expérience, vous ne le ferez pas. Okay? Je peux vous dire de longue expérience. Faut juste, c'est une façon de penser autour de ça. All right? OK, après la pause, on continue. Je vais aller assez vite pour les autres, juste pour penser à perdre beaucoup. Là, moi, j'ai introduit les thèmes principaux. Merci. Okay. Celui-ci parce que l'autre a des compléments. Okay? Certaines des choses sont les mêmes que l'autre. Okay? Ici, c'est marqué mezzo forte. Moi, je l'ai plutôt piano. Okay? Les liaisons sont 3, 2, je l'ai dit là, 2, accent. Au niveau des liaisons, c'est parfait. Okay? Ici, le corps, remarquez que le corps il fait une entrée assez. C'est marqué. Même en admettant que la simulation est un peu creux, okay, il reste que c'est un peu trop fort pour faire le crescendo ici. Si tu veux faire un crescendo encore ta route, il faut que tu ajoutes graduel. Le corps c'est comme d'un cran beaucoup par rapport à juste à ton violoncelle. Ok? Donc maintenant, ce qui reste le corps. Et ensuite on a corps et flûte à l'octave. Quand vous constatez même si on leur demande de diminuer, on remarque le départ de beaucoup. C'est comme un « okay? ». Bref, la doubleur, elle est faite avec un corps, et avec la flûte à l'octave, c'est quand même assez plaisant. La doubleur à l'octave, déjà, ça fait plaisant. Le corps en plus, fait que tant que tu enlèves, c'est comme, c'est pas quelque chose de subtil qui est enlevé. Quelque chose d'assez gros. Okay? Fait que ça fait trop. La dernière chose, à la fin, quand on arrive à okay, là, le corps, donc, à la fin, c'est la les corps vont. Okay, le corps peut entrer pour ça, mais tu as mis aussi la contrebasse. Okay. Généralement, il faut bien faire attention.
attention à ajouter quelque chose comme la contrebasse pour une note. Les seules places où ça peut se faire pour une note, mettons, pour déclencher au début de la phrase, sur le sommet, ici, vu le caractère, tu aurais dû mettre la contrebasse pour deux notes. Et dans, mais non pas. Et dans. Vous allez juste écouter encore la même chose. Si tu veux faire un crescendo général, ça fait une chose. C'est qu'après les cordes de mettre le corps, ça fait une sorte de crescendo sur tout le corps en de manière. Oui, dépendamment de quelle note et quel registre, mais oui, en principe. Automatiquement, lui, sa conception, c'est pas un crescendo général. Okay? C'est plus que ça ressort au début, puis après ça, c'est plus doux. C'est un peu trop soudain dans ce cas. T'sais, si tu veux mettre ça au plan duel, il y aurait peut-être une moyen de le faire. Alors, attention, il y a deux aspects. Il y a la question de l'ajout du timbre et l'ajout d'un registre. L'ajout du timbre, ça ajoute déjà quelque chose de nouveau. Mais quand en plus vous ajoutez un nouveau registre, c'était le double à l'octave qui n'a pas été présent avant, c'est une grande nouveauté. Je vous rappelle, les aspects primaires de la musique, timbre, registre, c'est des choses qu'on remarque aussitôt. Fait que, faites attention quand vous ajoutez un nouveau registre, oubliez que vous supprimez un registre, c'est le même problème, OK? Parce que c'est quelque chose de très évident, c'est pas une subtilité ça, OK? C'est des choses à manger. Et l'autre maintenant, ce qui est tout à fait autre chose. Ajouter une basse. Qui joue la basse? Pas toi, mais les autres. Qui joue la basse? Toi. Qui joue la basse, vraiment? Basson. Basson et? Basson plus bits. D'accord? Une chose? Regardez bien. Le pins dans le bas, ça fait le tout clou, c'est ça donne une certaine légèreté d'attaque. Ouais. Le basson, ça fait bois. Et ça fait, on entend vraiment un son de bois là-dedans. Hein? Okay? Généralement, les doublures de basson, les lignes de basse, généralement vont avoir, à part un cas où c'est juste des bois, puis ça fait la ligne de basse, point final. Mais quand vous doublez une ligne de basse par le basson, généralement, c'est pour ajouter une solidité. Comme un thème, mettons, qui a besoin d'être un peu comme un thème de feu, mettons, qui arrive à la basse. Ça donne une certaine solidité. Ici, je ne vais pas acheter le basson. C'est mieux avec des pits. Donc, ça va garder le caractère plus drôle et plus léger. Alors que le basson, ça fait. Il y a comme un écart entre les voix. Le basson, comme ça, dans le grave avec les pits. Fait que, il s'impose, mais ça n'a rien de spécial. Donc, il est mieux juste avec le pits ici. Maintenant, l'aigu, c'est fait par qui? C'est pas si facile, mais. Il y a une flûte, oui, ensuite, il y a. Il y a les violons à pizzicato, à l'unisson de la flûte, ok? Et ensuite, il y a quelque chose dont c'est pas facile à savoir. Okay? Écoutez encore une autre fois, peut-être que vous allez vous rendre compte. Okay? Oups. Le milieu. Il y a un petit ding. C'est quoi ça? C'est une arima. Bon, il y a des raisons pour lesquelles c'est difficile à distinguer. Deux raisons même. C'est un milieu, toujours plus difficile de distinguer le milieu que le reste, et il est entouré de pits. Une arima et les pits, c'est des timbres qui se font très bien. Hein? C'est un bon mariage, ça. Ça, c'est l'épreuve pour un bon fondu. Vous avez de la misère à dire que vous c'est exactement ça, la façon de faire un bon fondu. Si à l'écouter, vous n'êtes pas certain, c'est bien fondu. Okay? Le fait d'avoir ajouté le marimba, c'est vraiment pas évident. Ça veut dire que ça se fond très bien au pits. Okay? Ça ajoute quoi? Le marimba ajoute un petit ding, un petit
petites révélations qui n'existent non pas. Il y a un peu de résonance. Puis après, c'est pas l'émission, c'est un octave inférieur. Ça renforce un petit peu. Oui. Peut-être une précision d'attaque aussi. Un petit peu. C'est délicat, mais non, c'est pas impossible, ok? Mais c'est quand même, ça c'est dans, quand j'ai parlé des types de douleurs, plutôt homogènes ou hétérogènes, ça, des douleurs homogènes, ça. C'est des douleurs complémentaires. C'est vraiment un autre thème dans la même famille au niveau sonore, ok? Et c'est donc ça se complète très bien. Donc, pit, c'est marimba ou pit, c'est xylo. C'est des thèmes qui se marient très bien. Parfois, on va les mettre ensemble pour une raison ou pour une autre, ok? Oui? Si je n'ai rien, on va se ressentir. Yes. Surtout parce qu'il est dans le milieu, tu s'entraînes tout en texture davantage, ok? La différence, je peux même te montrer au piano. Si je fais ça sans le milieu, le milieu, on s'en rend compte, hein? Parce qu'il n'y a rien d'autre dans le milieu, ok? On se rend pas compte de quoi, mais si tu l'enlèves, tu vas avoir l'impression qu'il manque un petit quelque chose, ok? Dans ça. Et ça, c'est marimba. Et à la fin, il ajoute les deuxièmes violons en tremolo, ce que tu auras entendu bien plus dans un vrai orchestre avec 14 personnes qui se mettent là. Non, ça va, ok. Ça, c'est bien beau. Donc, pas de problème à ce niveau-là. La seule autre chose que je dirais, toi, tu as mis le pizzicato d'un bout à l'autre, ok. Parfois, tu as intérêt à juste faire des pizzes ici et là. Si elle a fait tout, au lieu de faire tout, 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 tout. Parfois, tu peux faire des choses dans les pits, quand tu bouges plein de pits, au lieu de l'or. C'est fait. Là, tu fais outline. Tu sais, juste comme quelques notes principales ou importantes. Pourquoi c'est plus intéressant que d'avoir un doubleur comme exact, non-stop, tout le long. OK? Prendre une ligne comme ça. Puis en plus, les pits, c'est jouable, mais ça commence vite. OK? Pour les pits. Juste encore dans le jouable. Peut-être que ce n'est pas plus facile. Tu pourrais même ajouter le caractère enjoué en mettant des accords un peu asymétriques ici et là. Regarde, on va le faire. Maintenant, imaginez que la mélodie, je la joue. Okay? Je vais jouer aussi l'équivalent des pits. Okay? Okay? Que tu joues un petit peu avec, ce n'est pas trop régulier, et que ça devient plus enjoué à ce moment-là. Un peu moins prévisible. OK? Compris? Next. Et l'autre CD? Je OK, bon. Toi, tu as quelque chose sur ton ordi, est-ce qu'on peut en prendre? OK. Je sais pas si tu sais que c'est pas très fort, et puis je pense pas que j'ai moyen de faire. Ah, j'ai pas de. J'ai pas de fil audio. Il y en a un. Un fil audio? Avec un 8, ça sort juste. On va sortir en haut. S'il y en a, fantastique. Reste ici parce que je vais en parler un petit peu. Deuxième, mais là, je peux t'amener. Pas cette fois. OK. Maintenant, premier. Juste pour faire une voix. OK. Bon. La doubleur, c'est quoi? C'est trompette et flûte. Vous l'auriez jamais su. La flûte avec une trompette et une sorte pour bien. Mais c'est le cas. Ah oui, t'es envoyé, ok, c'est parce qu'il joue pas de doute. C'est ça? Ouais. Alors, ça, c'est autre chose. C'est ça, ma question tantôt. Fait que là, okay. Ça donne pas le mute. Ouais, ok, ça, c'est vrai, ok. Donc, si c'est avec un mute, ça donnerait quoi? Le mute, le copy, c'est un mute particulier, mais le mute en général, qu'est-ce que ça fait?
C'est un filtre, okay? Ça enlève des fréquences, généralement des basses fréquences. Le filtre, donc, va avoir l'effet que moins de fondamental proportionnel à l'aigu. Fait que tu vas avoir quand même plus d'aigu, puis ça va sembler plus mince. La forme de la sourdine va définir quelle fréquence va être enlevée, ok? Mais le top U, tu sais, je ne suis pas comme « point, je suis pas un peu comme moi. C'est fait ici à la tira, la tira, la par, la tira, donc il fait rentrer une clarinette, et bien une clarinette, pas trois ou cinq ou dix, ok, à l'octave, la trompette mute. Ça, on a entendu peut-être pas aussi fort que celle-ci, mais il se la guide quand même, ok. Donc ça, c'est correct. Si tu veux faire à cette place-là, c'est pas illogique. Il a marqué ça avec un accent tira, ta tira, ta par, la tira, donc il a marqué vraiment un accent. Avec l'accent, donc la clarinette rentre et en même temps, en unissant avec la trompette mute, le corps va grossir beaucoup. Okay? Le corps, c'est comme le pavillon quasiment, c'est gros et rond, okay? Par rapport au mute qui est mince, okay? Mais le corps va grossir de beaucoup le son. Les autres deux corps et la trombone ajoutent l'harmonie. Tout ce que je dirais, c'est que, soit qu'on sache que c'est un gros changement de texture à la fin. C'est dans l'échelle de contraste, là, c'est assez important ça. Donc ça, c'est un quasiment que si tu considères ça comme une phrase de réponse. Comme si tu as ta tira 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 ra 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 tira ra ra tira ra pa ra ta ra ra ra. C'est ça l'effet. Et non pas tira ra ra tira ra tira ra ra. C'est pas ça. Tira ra pa ra ta ra ra ra. Si c'est ça que tu veux, ok. Mais sois conscient que ça va le faire du punch. Okay. Tu as une question par rapport à ça? Bon, je veux juste savoir le caractère ou pas une idée de base par rapport à ça. Caractère? Taquin? Non, c'est bon, mais il faut le noter en haut, c'est toujours bon. Oui, moi je le dis. Oui, c'est bon. Okay. Si tu veux que ce soit taquin, par exemple, un peu de pits, un peu exilo, quelque chose, on a fait juste à faire. OK? Donc, ouais. C'est ça que tu veux, tu sais. Et tant qu'il y a, OK? Bon, maintenant, on va à la deuxième page. Juste une question, s'il te plaît. Il y a la trompette, alors, est-ce que tu ne peux pas jouer sur la force de trompette quand tu veux la mixer avec d'autres instruments? Ça dépend du registre. Oui, c'est un aigu. De toute façon, il est toujours très présent. Ouais. À l'intérieur de sa présence considérable, ouais. Il y a une différence que tu peux jouer avec, OK? Ouais. Dépendamment du registre. Plus tu es aigu, moins tu as la valeur de valeur. Autrement, demander un do aigu à la trompette pianissimo, il faut qu'il soit très, très, très bon. Ils sont plus forts à l'aigu anyway. C'est difficile d'attaquer doux à l'aigu anyway. Ça ne change pas à cause du mieux, parce que ça dénerve sur cette partie-là. Okay? Non, mais ça change de quelque chose parce qu'il y a deux doigts distants. Oui. Mais là, c'est relativement à la trompette. Bien sûr, relatif à la flûte, le reste de l'orchestre, c'est quand même pas un son si discret que ça. Hein? Okay? Deuxième, OK. Dans le deuxième, ça c'est différent. Tu commences tout de suite au deuxième? Ouais, là, il va partir. Arrête. Je
l'autorité de la gaffe de l'ordinateur pour constater quelque chose, okay? Avoir tout le monde en octave à l'aigu, avec juste boup, boup, boup en accord de bas, ça c'est une catastrophe. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Le trou est. La mauvaise définition. Le trou, ça fait qu'on remarque ce qui est dans le bas parce qu'il est distancié. Le fait qu'il est dans le bas, il est trop fort pour disparaître, puis il est trop seul dans son affaire, pour qu'on remarque. Puis c'est comme un geste insignifiant par rapport au reste. Si tu avais mis le violoncelle en chantant une ligne à l'égarco, ok, ça aurait pu au moins faire de quoi. Mais quand c'est juste boup, 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 et c'est pas pit. Pit, ça aurait été autre chose, c'est comme une percussion de clou. Mais si c'est juste une boucle, c'est que tu as une note qui se veut expressive, puis elle n'est pas. Okay? Okay? Donc ça, c'est juste un autre point. By the way, si on voulait du pit, c'est même à part la question finale, dans un cas comme ça, quand c'est tout seul dans le bas, il lui fait des accords. Au lieu de faire ceci, okay, ou juste les violoncelles, tu sais, en truc de corde comme ça. Parce que, curieusement, quand tu as une note dans le bas, ça attire davantage l'attention. C'est comme si ça veut être une mélodie. Quand tu as un accord, on dit que c'est comme un petit clan. Groum. Ça fait comme un accompagnement. C'est un effet un peu paradoxal, mais c'est vrai. Mm-hmm. Donc, parfois, c'est pour ça que c'est drôle à dire, parfois, vous allez voir que deux corps faisant de l'harmonie, mettons des octaves ou des quintes ou quelque chose, on remarque moins quand. Un corps, c'est mélodique. Ça a l'air parce que comment c'est mélodie, mais faisant une mélodie. Alors que quand tu en as deux qui font mettre une octave tenue, ça fait qu'un petit clan fait que bye bye, ça disparaît dans la lumière. OK? Question? Next. Merci. OK, parfait. Monsieur, c'est exposé de pièce claire. On sort jamais, mais okay. Encore une autre fois, même chose, parce que là, off. Ok. Piccolo et flûte, ok, en octave, ce qui donne un caractère un peu manchibanda, dans tout ça, ça fait un peu extravert, hein? Ça marche, parfait, ça marche. Ok? Donc là-dessus, je vais mettre avec ça, ça ne sonne pas du tout comme ça, le caisse claire, c'est rien à voir avec ça. C'est prap, 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 ok? C'est un aspect un peu plus militaire, effectivement, ok? D'ailleurs, qui conviendrait mieux au caractère, parce que ça, ça a l'air comme ça de deux crayons, on joue comme deux crayons, tu sais. Okay? C'est beaucoup trop élégant pour lui faire voulu. Alors que le black is clear, ça peut être bien des choses, mais élégant, c'est pas le mot qui vient de l'esprit. Vous découvrez, vous ne pouvez pas décrire l'effet d'une caisse claire. Question. Avec ça, est-ce que c'est du roulement qu'on entend? Oui, oui. Alors, c'est prévu tardivement, je ne sais pas le noter, fait que je l'ai mis en rythme précis. Pour le roulement? Oui. Ouais, avec des trucs, là, de toute façon, on en met le nombre qu'on veut, fait que j'en ai mis 6. Ouais, pas de cas. Hein? On n'a pas maîtrisé pour ça. On veut, mais pas fort. Mais c'est pas une salle. Ouais, c'est juste trois bars. Non, c'est comme je veux l'un ou l'autre. Pas un, pas trois, okay, deux. Okay, c'est ça. C'est, mais si tu ne mets pas les trois pieds et les trois bars, à ce moment-là, tu peux aussi marquer tri. Okay? Tu vas voir les deux. Okay? Mais pas en même temps. Ça, mais trois bars, c'est mieux que tri. Effectivement. Okay? Généralement, dans la plupart des cas, jusqu'à un ou deux bars, voilà, c'est un peu, on constate que c'est mesuré. À partir de 3 ou 4, on sait juste fast as possible. Okay, ça, c'est les choses. Pourquoi j'aime ça, le marketing, c'est clair que c'est juste vite. Mm-hmm. C'est pas juste pour le tempo. Ceci dit, généralement, quand ils voient 3 ou plus, ils vont jouer ça juste un moment. Okay, à moins
que le tempo soit très lent. Okay? D'ailleurs, juste un autre petit détail par rapport à caisse claire, okay? et toutes les percussions sèches. Okay? L'ordre de bois, caisse claire, tu sais. Quand vous avez des roulements, ça va. Okay? Parce que c'est des percussions qui n'ont aucune résonance. C'est sec, comme tu sais, sec vraiment mort. Okay? Si vous avez une note à écrire, okay, mettons un accent, ok? Si vous jouez dans une note comme ça, tout seul, là, elle va être morte. Pour ça qu'il ajoute, souvent il y a des petites notes avant, vous voyez, hein? Des grace notes comme ça, vous allez voir, souvent des flats, des rough, ok? C'est que ça, ça a juste un effet d'enrichir l'attaque. C'est brrr. Au lieu de faire tout, c'est brrr. C'est juste assez pour qu'on entende une attaque avec un peu de richesse. Okay? Donc souvent, quand il y a des notes seules des caisses claires, mettons pour scander un rythme, pas en faisant l'autre, juste une attaque ici et là, qui est mieux mettre une couple de grace notes, une note ou deux avant, prendre un petit tempo, parfois trois, pour pouvoir avoir une meilleure attaque. C'est juste ça. Okay? Et ça, c'est vrai, de toutes les percussions sont vraiment, vraiment secs. Okay? Quand tu as une note seule, surtout la caisse claire, parce qu'il n'y a même pas d'auteur dans ça. OK? Tout le monde comprend? Next. OK. Là, on va passer à ton autre. Merci. Est-ce que juste essayer de passer un peu plus vite? Les voix sont pas censées être longues. Ça fausse qu'on a l'effet. Bon, je pense qu'on se bien discuter au piano, mais ça ne donne tellement pas l'effet de ce que tu veux. C'est quoi les mots? Bon, c'est alto. Tu m'as fait alto dans les cordes, tu sais, ils mettent des chanteurs d'alto, c'est vraiment bizarre. Ah, mais moi je sais que je sais. Bon. Il parle pas français, mais il faut que tu parles violence. Ouais, c'est ça. Okay. Bon, ok. Alors, juste pour expliquer, donc, il a mis sa mélodie à la clarinette, une clarinette. Ouais. Ok, bon, ça, ça va. Ok. Maintenant, à ça s'ajoute d'une part les pits, alto et contrebasse. Fait, donc, je joue juste un corps. Oui, c'est sûr. Ok. En même temps, ça ajoute des violons. Les cordes peuvent bien sûr jouer de façon brusque, mais il faut faire attention à une chose. Okay? C'est un effet. Quand tu as une section de cordes, puis tu le donnes à une affaire avec des notes comme longues, okay, soutenues et mélodiques, s'ils ne jouent pas super discrètement, ce que ça fait souvent, c'est que mettons, toi, ta clarinette, tu joues ta tune, là, puis les autres sont là qui disent « Me te montrer comment jouer ta tune. » Mi en la, mi la. Ah, j'ai oublié un petit truc. C'est pour un quintet. Ah, ils sont longs. C'est quatre choses. C'est ça. Okay. Ils sont longs. All right. Ouais, ils sont tous solo. N'oublie pas ça, de marquer ça dans ton score, là. C'est toute une différence, ça, OK? Ouais, OK. Parce qu'il y a une section, c'est un peu trop, comme non, c'est aussi. C'est une aussi. Ouais. Si c'est ça, oui, ça peut aller. Comme si je trouve ça juste un peu trop de doublure, avec des pits plus ça, sans faire épais un petit peu pour ça. Tu peux avoir le même effet, mais un peu plus comme discret, surtout si tu veux ça, OK? C'est un peu trop
C'est un gros bref. OK. OK. Donc ça, c'est la même mélodie. That's it, no more, okay? Si la phrase avait été ceci,
phrase elle-même contient des contrastes. Là, c'est à propos. Mais si la phrase est... Ça ne convient pas à avoir des gros contrastes en plein milieu de la phrase, OK? Encore, les doublures, il y a trop des cordes. C'est d'avoir 3-4 octaves. La doublure de quelque chose à une octave, très courant. À deux octaves, moins courant, mais on en voit ça. Trois octaves, ça commence à être pas mal solide. À quatre octaves, c'est pour un gros tutti, quadruple forte, là, tu sais, c'est une grosse patente. Tu sais, quand on double à quatre octaves, c'est pas pour du léger. OK? Et ça, c'est la grosse nourriture allemande avec du gras en masse. OK? Là, on en met le paquet. Là, vous, après avoir mangé ça, vous avez ça, vous le mettez. Oh, okay? C'est gras. OK, à quatre octaves. C'est vraiment pas une grosse disposition. OK, ça, c'est le dernier qui est sonore. OK, les autres. OK, tac. Monsieur Pino. Thank you. C'est fait la mitaine! Aïe, aïe, aïe! Et ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose fait à mitaine! C'est petit en plus! Ouais. Puis si j'étais un chef d'orchestre, que je te dirais? J'ai une version de papier. Hein? J'ai une version musique, j'ai une version... Ah bon, donc je mérite pas ça, moi? J'ai dit, moi je joue le rôle du chef d'orchestre, c'est... OK? Fait que ça, traite-moi comme un chef d'orchestre. Got it? All right. OK. Et puis, il a fait hautbois et clarinette. Whatever. OK. Avec pits. OK. Outline comme ça. OK. Le basson fait... C'est un peu trop comme pâteux pour ça. T'es mieux avec l'une ou l'autre. Okay. Ou bien à l'octave. Ou bien à l'octave, OK? C'est comme, à la Schubert, comme j'ai dit tantôt, c'est comme mélancolique, c'est comme une unisson là. C'est pas une unisson vraiment comme, extrêmement comme léger. T'sais, c'est plutôt comme, c'est épais. T'es mieux avec juste un seul bois qu'à deux unissons à cette place-là, OK? Le basson d'en bas, c'est pas en soi mauvais. Ici, t'as coulant. OK? OK. Les pits. Okay. Peut-être aussi, au lieu de faire peut-être juste un petit au début. C'est un couple de double cordes ici et là en pits. Souvent pour les pits, quand vous voulez faire un plan d'accompagnement, au lieu de faire tout, il est mieux faire un couple d'accords ici et là pour que ça fasse un broum. Puis ça fait mieux que. Puis à moins d'avoir un vrai contrepoint. Un vrai contrepoint, c'est une autre histoire. Puis quand c'est doubleur, ça fait fatigant parfois d'avoir tout le long. Okay. Pendant le budget. À ça, tu avais ajouté des timbales. Oh boy. Okay. Timbales et tambours, ça veut dire tambourine. Tambourine. OK. Les timbales, là, ça devient menaçant. D'un coup, boum. On a même doux, c'est menaçant doux. OK? Et ces timbales, ils ont cet effet-là, c'est sérieux. Okay? Tu n'as jamais quelque chose de drôle, à moins que ce soit comme une nuance, comme surprenante. Tu sais, BOUM! Ça, c'est drôle. Mais tu sais, à part ça, l'ajout de la timbale est toujours une des choses solides et sérieuses. BOUM! Tu sais? Quoi? Moi, je sais bien, mais est-ce que la timbale, c'est pas ça? Tu sais, il me voit un pit à ce moment-là. Ton pit, ça va faire mieux ton affaire qu'à ta affaire. Et pour la tambourine, il y a des petites tambourines, c'est des petites clochettes. Là, peut-être, ça fait comme autre chose. C'est sûr que ça fait un aspect un peu hic, si tu ajoutes ça. C'est possible. Oui, c'est pas possible. Oui, OK, ça, je peux voir ça. OK. Peut-être à ce moment-là, comme je dis, peut-être lâche la timbale, à ce moment-là, tu mets la tambourine et un peu de quelques accords en fait, ça leur suffit. Parfois, en orchestration, c'est aussi bon de savoir qu'est-ce qu'on ne met pas. Parce que si on met la mauvaise chose, ça finit par comme attirer l'attention par la bonne place. OK, next.
OK. OK. Donc ça, c'est le prochain, c'est la même mélodie. Et doublé pas mal fortement par hautbois, clarinette, et des violons 1 et 2, tout à l'unisson, la basse.
Le secret de la couleur assez color, c'est d'aménager les effets. Si tu as un solo de hautbois, fais taire le hautbois pendant une couple de minutes avant. Le hautbois va s'indifférer. Ça va faire une belle couleur. S'il joue juste avant, l'oreille en est pleine, fait que tu sais que le hautbois ne fait rien. Tout est dans juste le fait d'avoir gardé le timbre. C'est comme ça qu'avec peu de timbre, vous pouvez avoir beaucoup de fraîcheur. Et contrairement, parfois il y a du monde, parfois ils vont écrire pour un orchestre comme ça, de proportions gigantesques avec 12 percussionnistes avec tous les instruments imaginables, puis ça finit par s'enlever. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de nouveauté de timbre. S'il y a tous les timbres tout le temps, rien n'est frais. Okay? Donc la meilleure façon de faire de la couleur orchestre, c'est juste de garder quelque chose. Okay? Ça peut être aussi simple que ne pas avoir la flûte ou ne pas avoir la contrebasse. Parfois c'est aussi simple que le grave ou l'aigu qui n'est pas là. On l'ajoute, puis c'est frais, c'est merveilleux. Okay? C'est pas nécessaire d'avoir toutes les percussions pour la fraîcheur de couleur. C'est la nouveauté dans le registre ou dans le thème. C'est juste quelque chose qu'on n'a pas entendu avant ou récemment, en tout cas. Okay? Donc ça, c'est un point bien important, juste dans la psychologie. C'est pour ça que Mozart, ça sonne toujours très frais, parce qu'il aménage ses affects. So, si un solo de hautbois, on peut être sûr que le hautbois n'aura pas sonné pendant les 40 jours avant. Okay? Ah, magnifique. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis que pas bon nécessairement d'avoir les cuivres avant dans ce cas-là. Il y aura un moyen de l'arranger mais en ajoutant la percussion en même temps que les cuivres. Okay. En tout cas, vous comprenez le principe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas montré aujourd'hui? Going, OK, parfait. Good. OK. Donc, celui-ci, OK, c'est notre mélodie familière. Ça, c'est les violons. Je présume que c'est de la section de violon et non pas un violon. Ben, je ne sais pas. Okay, mais c'est pas pareil. Hein? C'est vraiment pas pareil. Okay? C'est parce que si tu as ta section, okay, tu n'as pas dessus d'effet solo, c'est pas intime, mais c'est vigoureux. Okay? Okay? Parce que tu remarques les violons singuliers. Okay? Mm-hmm. Okay, donc, sois certain de ce que tu veux. Ben, là, c'était un, mais je sais pas si ça aurait été une section. C'est différent. Okay? C'est sûr que si tu ajoutes un, si tu ajoutes un violon solo, comme dans un quatuor à la corde, OK, et tu as quand tu vas entendre le vibrato chez les mains plus longues, okay, tu vas entendre le vibrato. Alors dans la section, à moins de demander du vibrato, puis dans un cas comme ça, ce sera plutôt pas le cas, OK, de l'entendre le passe. Ça va être plus choral. Mais moins comme individuel. Okay? Ce qu'elle a fait avec ça, elle a mis le violoncelle en piste, deux octaves plus bas. Ici, c'est trois octaves. Bon, à part la question de ça devient encore trop soudainement en plein milieu de la phrase, parce que tu as besoin du temps pour préparer, c'est juste pour prendre l'enclos. Généralement, si le caractère voulu qui semble être léger ici, les doublures dans le bas, ça ne donne pas déjà fait. Et surtout pas à 2-3 octaves dans le bas. Okay? À la rigueur, peut-être, mais pas. Ça alourdit quand vous voulez dans le bas. Faites bien attention, le bas, tu sais, ça, si on veut quelque chose de très lourd, oui, mais si des doubleurs à 2-3 octaves plus loin dans le bas, ça a facilement tendance à être, même quand c'est juste avec des pits, parce qu'on s'en rend compte. L'oreille n'accepte pas de fondu quand c'est trop écarté. Okay? Pour que l'oreille accepte un fondu, encore dans la question de qu'est-ce que l'oreille perçoit comme étant un plan ou pas. Okay? Pour que l'oreille accepte les choses comme étant dans le même plan, c'est-à-dire fondu, okay? Entre autres, il faut qu'ils soient relativement rapprochés, okay? Dans le registre. S'ils sont très éloignés du registre, l'oreille n'accepte, même si un tuba et un piccolo jouent note par note, la même chose, mais à 4 octaves de distance, vous allez percevoir un tuba et un piccolo. Et non pas une affaire fondue. Vous comprenez? Même si c'est la même chose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un tuba dans le bas et un piccolo dans l'autre. Okay? Ça fait deux plans. Alors, pourquoi? Parce qu'encore, je reviens à mon exemple la semaine dernière de l'homme primitif dans le champ avec le lion. Okay? Comment est-ce que l'oreille, ou plus justement le cerveau, tranche l'expérience? Okay? On s'était dit que Une des bases psychologiques de cette chose-là, c'est le besoin de l'ouïe de trancher vite les sources sonores, hein, pour distinguer justement le lion, de l'arbre, du vent, tu sais, d'une
de la voix de mon copain, etc., etc. Okay? Fait que, si vous pensez à ça, une des façons les plus faciles de distinguer les sources, c'est par registre. Un lion, c'est un autre registre qu'un oiseau. Okay? Il n'y a pas grand oiseau qui chante le même registre que le lion. Okay? Et la même façon, le vent dans les arbres, c'est un autre registre aussi que le lion. Donc, le registre, c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais ça n'est un des primaires. Okay? Généralement, ce que j'appelle, moi, les éléments primaires de la musique, timbre, registre, c'est exactement les éléments que l'évolution a favorisés qu'on distingue, okay? Pour des raisons de survie. Okay? Donc, si vous faites quelque chose, et dans ces aspects-là, registre, timbre, etc., il y a une bonne distance, quand les timbres très différents, les registres très éloignés, soyez conscients que ça va être entendu comme deux affaires, deux sources différentes. Okay? L'astuce de faire un plan, c'est de convaincre l'auditeur que ça vient comme d'une source. Si l'auditeur est mêlé, c'est bon signe. L'auditeur devrait dire, ça vient d'où cette affaire-là? C'est quoi au juste? Là, c'est bon. S'il dit, ah oui, mais c'est bien sûr que c'est ça puis ça, non, c'est pas fondu ça. Ça, c'est dans la psychologie de comment on fait du fondu autre. Okay? Ça, parfois, je le dis que dans l'écriture ou dans le métier, okay, chaque discipline, il y a un mot-clé. Et si vous comprenez vraiment le mot-clé de discipline, la moitié du chemin est faite. Okay? Pour l'orchestration, le mot-clé ou la phrase-clé, c'est plan sonore. Quand vous avez vraiment compris en profondeur qu'est-ce que ça veut dire un plan sonore ou des plans sonores, qu'est-ce que ça veut dire les fonds, les différenciés, qu'est-ce qui constitue un plan ou pas, là, vous aurez compris la moitié de l'orchestration avec ça. Okay? Encore là, je ne mise pas tant sur mémoriser une immense liste d'affaires, c'est de comprendre les grands principes. Il y a un certain nombre de principes assez faciles à comprendre concernant les plans sonores. On a déjà énuméré quelques-uns, par exemple. S'il y a des choses très, très éloignées de registre, on n'a jamais perçu comme étant dans le même plan. Okay? C'est juste que ça ne marche pas. Okay? Il y a certaines autres que vous allez voir avec le temps. Okay? Mais ça, c'est quand vous avez compris. Donc, comment fondre un plan, comment distinguer un plan de l'autre, qu'est-ce qui fait le premier plan, qu'est-ce qui fait le deuxième plan, et ainsi de suite. Là, je vous dis que la moitié de l'orchestration est juste dans ça. Voulez-vous savoir les mots-clés pour les autres disciplines? Le mot-clé pour contrepoint, ce sera quoi? Tricky, hein? Non. Parce que ça c'est évident, tu sais. Oui. Donc, le mot-clé pour contrepoint, c'est richesse. Il faut que les lignes se combinent pour que ça donne un résultat riche dans l'ensemble. Ça, c'est le noyau difficile dans le contrepoint. Indépendant, c'est trivial. Il n'y a qu'à faire chanter deux choses séparées en même temps, c'est indépendant. C'est pas ça qui est difficile. Difficile de faire ça de façon à ce que le résultat total soit riche. Ça, c'est le problème. La richesse, c'est le mot-clé pour le contrepoint. Pour l'harmonie, c'est pas le mot-clé pour l'harmonie. Accent. Qu'est-ce qui ressort? En harmonie, ce qui compte le plus, c'est qu'à l'intérieur d'une phrase, une pièce, n'importe quoi, qu'est-ce qui ressort du reste? Soit pour le fait que c'est plus dissonant, moins dissonant, c'est parallèle, doesn't matter. Mais l'important, c'est juste qu'aussitôt que quelque chose ressort, bref, c'est un accent, okay, au niveau de la perception, okay, la seule autre question, c'est est-ce que c'est à propos ou pas? Okay? Si ça absorbe la norme, okay? La norme peut être bien chez Debussy, les quintes parallèles tout le long, ou chez Bach, aucune quinte parallèle, peu importe. Mais du moment que ça absorbe la norme, la question c'est combien et est-ce que c'est à propos ou pas. Généralement, comme les quintes parallèles des débutants, simplement ça fait comme invincir la texture sans aucune bonne raison. Ça ressort, mais tu sais, c'est juste une faiblesse. Okay? Or, mettre la bonne dissonance au bon moment, ça fait comme accentuer le ton de sommet. Ça peut être à propos. C'est pour ça que la question de fond d'harmonie n'existe pas dans l'abstrait, à part ce qui est injouable, évidemment. Okay? Mais c'est pour le reste, c'est juste question, c'est qu'est-ce qui ressort, où et combien? Est-ce que c'est à propos ou pas? Ça, c'est le mot-clé pour l'harmonie, c'est accent. Okay? Ça a pris des années avant de trouver dans un livre une phrase qui m'a donné ce mot-là. Je dis, yes! Ça, là, c'est ce qu'il faut savoir. Si vous comprenez ça, c'est le critère pour juger comme encore 80% de tout ce qui se passe en harmonie. Est-ce que c'est... Parce que la plupart des fautes d'harmonie, c'est des choses qui sont soit pas assez accentuées pour le contexte ou trop accentuées pour le contexte.
On est passé ça. La plupart des gammes d'orchestration, une fois que vous dépassez le stade jouable ou injouable, c'est de mélanger les plans. Les plans sont mal organisés. Tu sais, comme on l'a vu tantôt, les premiers plans qui sont moins forts que le deuxième plan, ou quelque chose qui se veut un plan, mais il n'est pas fondu, il est trop écarté. Trois quarts des gaffes sont dans ça. Et comme je vous dis, si vous comprenez ces mots-là, vous allez voir que vous allez faire une bonne longueur d'avance. Okay? Donc, en orchestration, c'est plan sonore. Okay? Puis en forme, l'habitude de la forme, c'est quoi? Le mot comme, tu sais, qui couvre comme le gros morceau, c'est quoi? Hein? Non, ça c'est orchestration. Dans la formule. Quand une forme ne marche pas, c'est parce que la continuité est brisée, généralement. Okay? C'est, on a l'impression qu'on écoute, ça fait comme un trou. Okay, au milieu. Comme la musique, au lieu de chanter d'un bout à l'autre, d'avoir une propulsion naturelle, elle procède comme ça, ou bien un bump là-dedans. Okay? Le contrôle, la continuité, le degré de contraste, de transition, c'est un autre aspect de continuité, c'est le cœur de l'affaire. Si vous êtes capable, une chose qui m'a toujours étonné, c'est que comme je l'ai dit tantôt, dans les cours de compo et des cours de forme, une chose qu'on ne va jamais traiter, alors que c'est la chose la plus importante, c'est comment écrire une transition. Okay? Il y a des techniques, tu sais, qu'on peut énumérer à ce sujet-là, je vais l'énumérer dans mon livre là-dessus, okay, en ligne. Okay? C'est pas sorcier, mais personne n'en parle. Et j'ai vu bien des textes, des traités de compo, puis jamais on parle de la transition. Comment enchaîner A avec B? Alors que la composition, componerait, poser les choses ensemble, mais vu que la musique c'est dans le temps, on les pose forcément en succession, on n'a pas le choix. Donc c'est l'agencement et l'enchaînement qui font tout. Si vous n'êtes pas capable d'agencer puis d'enchaîner, vous ne pouvez pas composer. Votre pièce, ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, là, c'est la chose la plus critique à maîtriser, juste de faire capable d'enchaîner une chose à la suivante. Ok, voilà. Alors maintenant, vous connaissez tout le monde. Alright, ça c'était. La deuxième, je n'ai pas parlé. Ok. Bon, ici. Ok, le basson, contrebasson font. Okay. À ça, s'ajoute la contrebasse. Oui, ça va. Okay? Ça, c'est un peu l'équivalent chez les bois de violoncelle contrebasse. Okay? C'est une doublure assez costaud, mais et solide, et pas un caractère comme assez lourd, ça peut marcher. Le corps, c'est moins bon. Le corps, étant donné que c'est un autre geste, puis il fait une ligne un peu différente, c'est une sorte d'hétérophonie par rapport, il va ressortir, en plus, il en sourdine, ok. Il va quand même ressortir comme quelque chose d'un peu autre que ça. Okay? La contrebasse va jouer juste brouiller. Ça va devenir, dans le bois, il faut faire attention de ne pas trop avoir des notes tenues, trop serrées, parce que comme style, contrebasson et contrebasse, c'est lourd. C'est que c'est deux éléphants dans un petit espace. OK? Fait que, tu sais, c'est bien bon, mais quand vous avez contrebasse, tu chantes. Okay? Contrebasse. C'est très, très solide. OK? Puis quand il y en a un qui tient et l'autre qui bouge. Là, extrêmement costaud. À moins de voir l'effet presque caricatural, c'est un peu trop. OK? Merci. All right. Bon, alors, maintenant, pour la semaine prochaine, on s'en va.
dans les accords. On va revenir à cette affaire des mélodies, on n'a pas fini avec. J'ai utilisé certains exercices plus qu'une fois. Pour la semaine prochaine, je veux deux choses. Je veux, d'une part, on va les accords à la page 12, OK? À la page 12, vous avez toutes sortes d'accords individuels, OK? C'est pas une pièce, c'est juste chaque accord est séparé, isolé, ça n'a rien à voir avec les autres, OK? Vous prenez quatre accords au choix, à votre choix, et vous les orchestrez. Maintenant, entendons-nous, OK? Petit exemple, OK? Mettons que je prends numéro 5, OK? OK? Numéro 5, c'est l'accord de Ré mineur. Ici, ils sont disposés au piano, de portée, comme j'ai joué au piano ici, OK? Si vous regardez les dispositions pianistiques du numéro 5, par exemple, vous voyez que c'est double forte et c'est court. Puis c'est marqué accentué, hein? Donc ça, ça vous donne le caractère. Fort, OK? Assez fort, assez marqué, un peu abrupt, OK? Fait que là, vous décidez de quelle famille vous voulez, ou tutti, si vous voulez aussi. Ça peut être des mois, ça peut être des huit, ça peut être des cordes pour tout le monde. Ça vous décidez dans un orchestre plus ou moins classique, OK? Mais vous orchestrez l'accord. Orchestrez l'accord. Donc, par exemple, mettons que je décidais que le numéro 5, je vais le faire pour l'orchestre à cordes. OK? Qu'est-ce que je ferais avec ça? En sachant que c'est très fort, est-ce que je pense diviser ou double corde? Accord. OK? Pas diviser. OK? D'autant plus que c'est court. OK? Fait que donc, je vais donner, mettons, à mes violons quelque chose. OK? Les autres violons. Maintenant, est-ce que le grand trou entre les mains le reste tel quel? Non, oui, parce que l'orchestre, encore, si on sépare les registres, c'est jamais perçu comme une chose. Pourquoi ça marche au piano? Parce qu'il y a la table de résonance. La table de résonance est réunie, puis c'est court en plus, OK? Mais à l'orchestre, il n'y a pas de table d'harmonie. La salle, ils font une table d'harmonie, OK? Fait que donc, il faut unifier ça, ce qui veut dire qu'il faut donc avoir du monde dans le milieu. Il faut boucher le trou. Et non seulement ça, est-ce que je vais garder les notes telles quelles dans le bas? Si vous faites ça avec quatre contrebasses, le résultat va être une jonque. OK? OK? C'est vraiment comme pas du tout l'effet comme. Au piano, c'est saccadé, c'est comme l'effet comme assez marqué. Bam! Faites-le à quatre contrebasses, vous faites juste. Encore, c'est une sorte de collision des lieux d'éléphant à ce moment-là. Fait que ce que vous faites à ce moment-là, vous faites les violoncelles, mettons. Contrebasse une note. À l'orchestre, presque, on ne voit jamais les contrebasses jouer en accord à l'orchestre, surtout pas non divisé. Je pense pas, peut-être qu'il existe un exemple ou deux, en tout cas, j'ai fait de la musique. Connais-tu un exemple à l'orchestre? En une telle sorte. Alors, tu vois, on met les violoncelles, les altos, passer le violon, premier violon, mettons. Okay? Contrebasse, juste le 1 ré dans le grave. Okay? Puis ça, ça va faire votre affaire chez Orchestre Accord. Si vous voulez encore plus de punch, bang au timbal en même temps. Si vous voulez des bois aussi, vous disposez des bois en fonction de ce qu'ils font eux autres, et les cuivres, etc. Okay? Donc chaque accord, encore, je pensais caractère. Prenez l'accord tel qu'il est écrit comme étant au piano. Donc, il faut repenser ça pour l'orchestre. Okay? Ça veut dire que vous gardez les mêmes notes, mais pas nécessairement dans le même octave, dans les mêmes octaves, les mêmes registres. Ça se peut que vous ayez à réorganiser selon les besoins et les situations. Pas toujours. Il y a certains accords ici qui peuvent être faits sans réorganiser, mais vous pouvez, et même dans certains cas, vous devez. Oui? Le deuxième accord, il faut quand même que ça reste en grave. Mm-hmm. Il ne faut pas l'organiser. Non. Ça va changer. Okay. Yeah. Alors, pourquoi ça va marcher dans le grave deuxième accord? Mm-hmm. Là, c'est très doux. Plus c'est fort, moins tu peux serrer ton grave. Quand c'est très doux, tu mets ça avec quatre violoncelles solo, ça peut marcher. Okay? C'est la nuance qui compte beaucoup. Okay? Plus c'est fort, tu dégages ton graphe. Okay? Parce que les harmoniques prennent de plus en plus de place, plus c'est fort, ils vont comme, tu sais, mêler le reste. Quand tu as juste ton quatre violoncelles solo avec extraordinaire rigueur dans le bas, c'est pas trop grave ça. En fait, c'est grave, mais pas trop sérieux. OK? Compris? Okay, donc, vous en prenez quatre, vous les orchestrez pour la semaine prochaine. Simulation, si possible, OK? Beaucoup, si possible, les entendre, OK? Et nous, on va les commenter. Maintenant, ça, c'est pour la classe. À remettre, j'aimerais ça que vous preniez chacun une mélodie, une version, mais à remettre la prochaine fois.
quand je vois le bémol manqué, les évaluer, ok? Une mélodie, ok? Version comme vous voulez, mais comme on la voit aujourd'hui, là, juste une seule version, caractère marqué en haut, ok? Oui, oui. On peut mettre un peu d'harmonie. Hein? On peut mettre un peu d'harmonie dessus. Très bien. Au moyen, on a quand même beaucoup de choses qu'on a appris avec la mélodie tout seul, hein? Ouais. Un moyen de faire de quoi avec une mélodie, ok? Et sans nécessairement la doubler à quatre octaves non plus. Ok? Essayez de faire une mélodie. Vous allez voir, quand vous allez faire du texture plus grand, ça va vous servir de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec une mélodie autre que juste jouer par un instrument. Alright? Donc, une mélodie à remettre, quatre accords dont on va parler en classe. C'est bon? On se comprend? Ouais. Bonne semaine à tous et à toutes!